Tu me regardes comme ça, oh. Mais les mots, vous connaissez tout. Tu me regardes comme ça, oh. Mais les mots, vous connaissez tout. Ouais, ouais. Avec mon le poteau de ça.
soleil. C'est où mon pays? Ouais. Assez, papa, tu sonnes. C'est la vie, hein. Tu as investi comme ça pour perdre, mais on va quand même danser pour toi. Prime Day, c'est à partir du 16 juillet à midi sur Amazon. Le poteau, pour profiter d'un flash incroyable. Et le goût de ça. Des accessoires mode. Et pour le tout. Bon, hein, on va se réjouir un peu. Hein. Je ne suis pas ton Voilà, quand tu fais la méchanceté. And never you call this number voilà. Again. Tu es un promoteur de soirée, tu as les pattes. C'est pas comme ça, mon frère. Allez, comment ça? Hé, 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 allô? Tu as vu, tu es méchant. Voilà, c'est ça les conséquences. Ah, j'aime pas tout le monde, j'aime pas tout la musique de Fali. Moi, j'aime pas trop Fali. Je sais pas. Il a fait, on a vu. Il a tapé poteau, on a vu. Il a danse, moi quoi. Ash for life, DJ Kelly. Il a tapé poteau. Pourquoi vous êtes comme ça? Quand vous aimez vous moquer les gens. Non, je n'ai pas grossi, je n'ai pas grossi le haut. C'est vrai quand même que j'ai pris un peu du poids. C'est le haut qui est rare. Je dis, pourquoi t'as ça de triche? Yes, un good man. Il a accroyé le poteau. Il a tapé le poteau, la vue. Le poteau, le chat. C'est bon. Mais c'est toujours avec lui que tu veux t'afficher. Il a tapé pour tous les gens en vie. Dans la vie, quand on va s'en faire des passes, faut porter son slap. Pour vous, mais qu'elle ne peut jamais le chiffre, ni le soit bizarre. Sans qu'il ne soit bizarre. Oh, j'ai un oh. Ton bébé, c'est toi. Ton bébé, c'est toi. C'est toi. C'est ta bouche, la même qui va te tuer. Il a tapé pour tous les gens en vie. C'est la bouche de fouine, là. Il a tapé pour tous les gens oubliés. Il a fait quoi les gens oubliés? Il a tapé pour tous les gens oubliés. Il a tapé pour tous les gens oubliés. Il a tapé pour tous les gens oubliés. Ouais! Il a tapé le photo. Il a tapé pour tous les gens oubliés. C'est bon! C'est quand le brise commence à te voir, quand tu vois la vraie sorcellerie commencer. Les meilleurs joueurs sont toujours dans la gradelle. Mais mettre la beauté à sa l'étape. Il a tapé mon temps, les gens ont ouais. Mais qu'elle ne peut jamais reçu sa vie, ne soit bizarre. Oh oh, il a fait des efforts pour qu'il va qu'il il a tapé pour tous les gens oubliés. Il a tapé pour tous les gens oubliés. Il a tapé pour tous les gens oubliés. Il a mal bouché. Je vais te donner ta dose. Il a tapé pour toi, j'ai vu. J'ai vu, moi-même j'ai vu. Il a tapé pour toi, c'est toi. Il a tapé le poteau, les gens ont dit. Il a tapé le poteau, dis donc, comment rien commence. Pardon, il m'avait pas mon drink. C'est ça que j'ai fait hier, je n'ai pas voyagé. Salive, salive. Salive, salive, n'importe rien. Charbonné, charbonné. Il a tapé pour tous les gens vus. 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 Il a fait le mal de Jagi. Il a posé les gens vus. Il a posé les gens vus.
Il a beau ça. Il a beau ça, les gens viennent. Il a beau ça. Ouais, la soba. Comment tu vas, mon Ivoirienne? Merci, merci. Merci à Ken, à Kenji. Camden, merci. Il a tapé pour tous les gens, oui, hein. C'est pas de ma faute. Hein. Tant pis, pourtant, on va mettre ma star à longue, longue. Oh, j'aime pas Fali pour toi, franchement, j'aime pas. Dis-moi, ma belle. Dis-moi, ma belle, si tu es bien réelle. Jusqu'à présent, Fondine, tu m'as. Partager le direct et faire le congo de la soirée. Ah, mon va payer la table de Dieu de ténèbres. Charlotte Titi. Oui, la fille est vraiment bien. Le poteau est de taille. Toutes les femmes aiment les hommes géants. Les hommes géants adorent les toutes femmes. Arrivons au lit, ils ont la même taille. Arrivons au lit, le poteau se confirme. Oh, tous sont éternels. Donc, tu ouais. Le moment de jeudi. Adore les deux passés. Arrivons les gens de Paris. Mais le temps est. Arrivons au Lio. La jeune fille elle travaille beaucoup. Il fait la famille. Le guet est mort. Le mien est mort. Je vais compléter ta mort. Maman qui a un culot. Les grosses femmes. Les vieux potos. Ils ont la même taille. Eh mon longa longa. Je t'adore Simon. Bébé, compétons-nous. Je suis belle. Maman, je suis belle. Et c'est ma billet. Tu es laide et tu veux parler. Tu es grosse et tu veux parler, bébé. Tu es à moi et tu veux me parler. Tu es ma mine du peut-être. Oh, ça y est, mon regard, j'adore ton son aussi. Et la DPJ. Ouais, je suis morte. Tu es laide, tu me parles. À moi. Dieu éternel, poteau. Aime les hommes noirs. Les hommes noirs adorent les filles métisses. Si tu fais des blocs comme dans comme et tu es géant bébé. Et tu es chrétienne bébé. La soirée, hey maman, c'est quoi? La soirée photo, tu es très photo, maman tu quittes tu photo. Aime la Camerounaise, la Camerounaise, adore la Camerounaise. Oh, le téléphone, c'est...
donne-moi les bons téléphones. Le guinéen a payé beaucoup d'argent. Bon payeur. K Mr. K Mix. Il fait chaud, hein. Je vais prendre un cream tea avec mon ami Andrew. Petit Malo, à l'échauffement, à l'échauffement, à l'échauffement. DJ Electric on the beat. Mais c'est ça, j'adore, moi j'aime beaucoup voyager. Les Tibamoun adorent Jésus. Ça dépend de l'endroit, ça dépend de la région. Marie à Satan adore le Jésus. La vie va m'éteindre. Flore adore, elle adore le Jésus de Congo. La vie va m'éteindre, ça adore le Jésus. Accoucher les enfants et ça attire la pauvreté. La vie va ça, elle adore le Congo. La vie va ça, elle adore le Congo. On va faire notre idée. Il fait chaud, hein, franchement. Allô? Oh! Qui lance ici? Tu lances quoi là? Hein? Mais tu as lancé quoi? Tu as lancé quoi? Oh, c'est mon mur. Tu m'as dit. Comment tu te places? Tu te places de quel côté pour lancer? Tu étais derrière, comment la pierre est arrivée ici? Mais tu as voulu mettre là-haut où? Et pourquoi? Tu fais attention, d'accord? Ok. Je vais souvent tenter. Oh bon, tu sais gâter, maman. Yenbe va venir voler ici au Seigneur. Stéphane est où? Seigneur, que tu sais faire comment? Oh, on va cambrioler dans la maison aussi. Oh là là, ils vont me voler ici, hein. Parce que si on n'arrive pas à fermer là, c'est mort. Ah, je vais faire comment? Je vais faire comment? Je vais pas laisser la vitre ouverte. C'était fermé. Pourquoi je vais m'ouvrir ça? Oh. J'ai partais même déjà, j'ai ouvert ça parce que je fumais. Oh, je vais faire comment? Oh, comment je vais faire avec la porte ici? Si on part comme ça, ils vont casser. Oh là là! Mon Dieu! Le bâton, qu'on tient. Qui parlait l'interrupteur, ça c'est ferme pas, celle du derrière. Hein? Ça ne descend pas? Oui! J'ai tiré. Mais j'ai tiré, ça ne descend pas. J'appelle souvent ça. Attends, mais il fallait me dire quand tu m'as jamais dit ça. Tu vois. Hein? Ah, moi, je vais laisser la musique comme ça. Ou les mêmes yeux, les yimbos, les mêmes yeux, j'avoue, je peux tuer. En tchop. Ah, finissez où télé là? Cassé comment? Ok, je te rappelle. Je vais essayer plus tard. Oh. Allô? Après? J'aurai des choses comme ça. Ça va me casser un peu le moral. Fait chaud. J'ai ouvert ça à cause de la chaleur. Maman! Aucun bois kata, votre. Qui est venu écrire là? Aucun bois kata, comme souffle là. Pour vous voir la star. De Blongo Bita.
Ben, on revient sur le truc, la soirée de Dieu éternel fut un échec total, une catastrophe. J'ai eu un appel ce matin qu'il n'y avait pas du monde, il a tapé poteau. C'était le poteau. Voilà, ça veut tout dire. Aucun bracata, la honte vous gère, une bande de vampires. Cathy Don a dit niet, faut payer à Jean. Mais Cathy Don, elle était là-bas, elle a presté, non? Donc, la soirée fut un échec total, catastrophe. Il y avait personne, il n'y avait pas du monde. C'est pour leur dire, c'est pour aussi attirer l'attention de ces stars de balles qui se disent. La dernière fois, j'ai dit que la soirée de Céline, c'est pas elle qui avait rempli la soirée de Céline, hein. Céline avait fait venir un grand artiste qui est Baby Philippe. Il y avait, Dédé Yango. Ce sont des personnes-là qui ont fait venir les gens parce que Baby Philippe ne joue pas très tous les jours, sur Paris. Donc, je peux dire que c'était sa première fois dans le milieu camerounais. La raison pour laquelle il y a eu des Ivoiriens, il y a eu des Camerounais, il y a eu beaucoup de monde. Donc, Lolo, faut souvent laisser ça. Pardon? Tu étais là, ta mère. Tu as compris, idiote, va. Tu veux me tenter. Regarde-moi ça. Tu es malade. Tu veux me dire, tu dis ça à qui? Faut laisser, j'étais ta maman. Ça te fait mal, ou? Hein? Poteau gang, voilà, c'est ça. Donc, c'était le poteau. Parce que moi, je suis pas, je me lève un matin, comme ça, je raconte n'importe quoi. Vu la salle était vide. Voilà, c'est pas la première fois qu'il fait échec. L'année dernière, c'était pareil. Cette année, le virtuel n'est pas la réalité. Il faut pas croire que c'est parce que quelqu'un réussit à réunir 700 000, 2000 personnes. Vous croyez que cette personne est capable de remplir une salle pour une soirée. C'est faux. C'est faux. Les gens viennent à la soirée parce qu'ils viennent regarder l'artiste, celui qui chante. On vient pas regarder ces gens-là qui font. Et puis, ils ont monté un petit scénario, une petite scène. Jacques, quand la personne entre, il y a regardez un peu. Moi, je vais montrer l'habillement de toutes ces femmes-là. Parce que je comprends pas comment nous sommes en 2018. Les femmes qui vivent en Europe s'habillent encore comme des filles qui venaient du village au Cameroun. Même au Cameroun, les filles s'habillent très bien. C'est comme des villageoises. C'était comme des filles qui n'ont même pas connu la vie. Quand tu t'habilles, faut, l'habillement, c'est, je sais pas. Comment tu peux t'habiller? Tu mets une robe de soirée. Tu te boues encore avec des bijoux, des chaînes. Tu mets une grosse boucle. Tu mets une chaîne qui ne marie pas avec. Tu mets une robe qui brise. C'est toi qui bribes de partout. Comme là, je suis habillé simplement. J'ai mis une chemise. J'ai mis un blouson en haut. J'ai mis un chapeau. Il y a déjà du brillant là. Et puis, j'ai mis les boucles. Comme ça, voilà, c'est tout simplement comme ça. Alors, elles étaient d'abord villageoises. La soirée fut un échec. Dieu était là, perdu. Dieu poteau, tu as perdu. Tu n'as pas gagné. C'est que tu as d'abord compté sur la milliardaire qui n'a pas honoré à son rendez-vous parce que elle ne veut pas se mélanger avec la merde. C'est tout simplement ça. Et tes sables étaient, les tables étaient vides. Il n'y avait pas, c'était pas bien organisé, il n'y avait pas la boisson. Il y a des gens qui sont, beaucoup sont pleins, qui n'avaient pas à boire, il n'y avait rien du tout dans cette salle-là. Même la reine galloise a fumé en direct, les abeilles ont vu. Voilà. C'était ça, non, là. C'est pas la jalousie, ça. La jalousie de ça. Oui, je suis jalouse. Va te faire foutre, ma chérie. Moi, je te zappe. Je suis pas là pour rigoler avec toi. Je suis jalouse. Et puis, tu viens faire quoi, là? Si toi, tu n'es pas jalouse de moi. Tata Lolo, ta chose, nous sommes à l'écoute, bien, voilà. Voilà, c'était un échec total. La soirée, j'ai vu le beau Zaïr qui était là. Il n'a pas payé sa table. C'était une table gratuite. Mais puis, les gens qu'on croyait qu'on devait dire la soirée du siècle. La soirée du siècle, il n'y avait pas eu de soirée du siècle. Vous avez tapé poteau. Vous avez tapé poteau. Tu ne peux pas être un promoteur de soirée. Un promoteur. Je m'adresse à toi, Dieu poteau. Je m'adresse particulièrement à toi parce que les autres, tu me fais de la peine. Moi, j'ai pitié de la peine pour toi parce que tu faisais ça pour une cause des orphelins, comme c'est quand tu dis, hein, parce que moi, je ne sais pas sûr que c'est ce que tu vas faire. Tu faisais ça pour une bonne cause. Ok, je vais mettre le téléphone. Tu faisais ça pour une bonne cause pour les orphelins, soi-disant que tu faisais pour aller aider les orphelins au Cameroun. Le problème, c'est quoi? Tu ne peux pas être promoteur d'une soirée, tu viens avoir un parti pris. Non, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le business. Le showbiz, c'est-à-dire que si tu trouves même deux personnes qui s'entendent pas, qui ont des désaccords, tu ne te mêles pas de ça. Tu restes observateur, tu fais comme Guy Métan. Il y a beaucoup d'entre eux, beaucoup, même Céline là. Tu fais comme ces personnes-là, tu regardes, tu observes, tu ne prends pas un parti. Tu crois que des abeilles là sont des personnes? Les abeilles sont les petites filles du sous-quartier au Cameroun. Vous avez répété ça, moi j'ai vu leurs photos. C'est des filles qui ne vivent même pas en France. Les abeilles, les microbes là, c'est des gens qui ne vivent pas en France. La plupart vivent dans le Bose là-bas au Maroc. D'autres vivent au Cameroun, d'autres vivent dans le pays, au Japon, un peu partout. Les filles qui marchent de partout là. Ce ne sont pas les gens qui sont sur le terrain. Tu es un promoteur, tu dois être neutre. Tu dois pas prendre un parti. Cette fille n'attire pas du monde. Cette fille, c'est la poisse. C'est une mamie poisse. Tout ce qu'elle touche, c'est la malchance. C'est une fille qui est née avec la poisse au corps. Elle détruit à son passage.
Elle a détruit ta vie. Tu étais un garçon poli, simple, clair. Tu ne provoquais personne. Tu étais très respectueux. Tu allais te mélanger avec la saleté. Te voilà aujourd'hui. Tu fais une soirée où tu dépends. Moi, je vais te dire quelque chose. Moi, je ne suis pas une fille qui ment. Hein. Quand je regarde, je dis ce qui est vrai. Pour une première fois à Paris, j'ai vu un très beau décor dans une soirée. Je ne vais pas te mentir. Ça, je te le dis, c'est vrai. Tu as très bien décoré ta salle. Pour une première à Paris, j'ai vu une salle très bien décorée. Tu as mis du paquet. C'était beau. C'était chic. Et c'était classe. Là, je ne mens pas. Je ne vais pas mentir parce que toi et moi, on s'entend. Moi, je parle à toi. La soirée, tu as fait un très, très beau décor parce que cette salle là-bas, je n'aime pas la salle là. La salle, elle est très obscure. On ne voit pas bien. Il n'y a pas de la lumière. Ce n'est pas bien illuminé. C'est pas, quand tu arrives là-bas, même quand tu prends les photos, ce n'est pas bon. C'est pas beau. Mais tu as su mettre des lumières, les jeux de lumière. C'était beau à voir. C'était, ça donnait même envie de danser. Ça donnait même envie de venir à la soirée là. Mais la personne avec qui tu t'es allié pour faire cette soirée a fait fuir le monde. D'abord, de un, l'artiste. Sergio Polo, c'est l'artiste de tous les jours. C'est l'artiste, moi je ne dénigre pas Sergio Polo, c'est l'artiste de tous. J'ai dit qu'il a déjà fait trop de soirées à Paris. Ce qui veut dire que cette année, il a fait combien de soirées? Il a fait au moins plus de 4 soirées. Ça veut dire que les gens s'enlacent. Les gens sont fatigués, ils voient les mêmes personnes. Catino, oui, tu ne pouvais pas prendre Catino comme, voilà, c'est la mère du peuple. Voilà, Catino, elle n'est pas là tous les jours, elle vient rarement. Tu vois, là, donc ça veut dire que l'affiche d'abord n'était pas top. Tu vois, mais tu as osé parce que tu comptais sur cette tierce personne qu'on appelle Maria Satan, Maïe Lesbi, Pipi et tout ça là. Tu comptais sur elle. Pourquoi? Parce que tu t'es dit, comme elle est blogueuse, comme elle est clasheuse sur Facebook, elle attire le monde. Mais c'est qui est faux. Elle n'attire pas le monde. Détrompez-vous. Détrompez-vous. La toile là, ce n'est pas. Le virtuel, ce n'est pas la réalité. Alors moi, j'ai vu une très belle salle. J'ai cru voir une belle soirée. Mais quand j'ai regardé la soirée, je ne te mens pas, je n'ai pas regardé deux fois. J'ai compris qu'il y a eu le poteau. J'ai eu de la peine pour toi. Elle dit que ce garçon, il a quand même dépensé de l'argent, mais à la fin, il n'a rien gagné. Donc, tu as perdu même ce que tu as dépensé. J'espère que c'est parce que je sais que le Bozaï n'a rien payé. Il était là-bas au Shabbat. Il n'a rien payé. C'est un joteur. Il ne paye jamais. C'est un joteur. Il vous manque là sur Facebook. Il n'a rien. C'est un zéro. Zéro au grand zéro. Il n'a pas de sous. Tu comptais sur ces personnes-là. Tu as fait venir Maria Satan. Tu comptais que tu n'es que comme Maria Satan, elle est une blogueuse. C'est une blogueuse clasheuse. C'est quelqu'un qui expose la vie des gens. C'est quelqu'un qui détruit tout ce qu'elle passe à soi. Tout ce qu'elle voit. Alors les gens n'aiment pas ça. Les gens regardent parce qu'ils aiment le Congo ça. Moi, je vais maintenant faire le buzz là. Maintenant, je vais faire le buzz. Je commence à crier là comme il faut. Les gens vont venir. Donc les gens n'aiment pas ça. Les gens aiment bien regarder. Mais sur la vie réelle, sur hors du virtuel, les gens n'apprécient pas ces choses-là. Tu as vu aujourd'hui là que tu as perdu. Elle-même, elle était toute froide. Tu as vu comment elle était. D'abord, quand on veut même dire qu'on veut faire un show dans une soirée, tu t'habilles pas comme ça. Tu t'habilles pas comme ça. C'est quoi ces habillements des clochards là? Tu veux venir monter quoi? Que tu fais la différence tous les jours, c'est les mêmes pagnes. Nous sommes quoi? C'est l'antiquité ou c'est quoi? C'est une soirée culturelle. C'est pas une soirée culturelle, c'est une soirée glamour. Il faut s'habiller avec des belles robes de soirée. Et à la fin, tu peux mettre une soirée une robe bleue. Tu es veuf. Tu mets une robe bleue brillante, brillante. Les cinq, un cinq qui est tombé, l'autre qui est debout. Je sens qu'il s'insulte sur la toile. On voit Zakola là avec les robes qu'on porte pour aller à Saint-Denis là tous les jours. C'est quoi ça? Les boucles mal faites. Elle dit que tu es belle. Mais respectez au moins l'homme qui a pris la peine de faire cette soirée. Habillez-vous au moins pour savoir quelque chose. L'autre Jim Tête là qui est encore au Canada, là, avec sa grosse tête qu'on appelle en baratine, Jim Tête là. Tu mets les lunettes de. C'est quoi ça? C'était Kirikou qui était là-bas ou c'est quoi? Vous étiez moche. Vous étiez moche. Ça veut dire, elle ne peut pas se mélanger avec vous parce qu'elle, c'est la classe. Elle ne pouvait pas se mélanger avec vous. Jamais. Elle vous regarde à distance. Elle ne peut pas se mélanger. Elle veut seulement les choses parce qu'elle veut faire le buzz. Mais ce n'est pas votre. Elle n'est pas votre classe. Vous avez cru voir. Vous avez comment tu, que tu peux dépenser des millions d'un billet à vous venir au Canada et ton mari au Shabbat. Vos maris là-même sont comment? Hein? Vos maris là sont comment? Ce sont les clochards, ce sont les hommes. Moi, je peux venir à Papa Fouja quelque part. Une fille assise sur le courant. Moi, je suis Papa Fouja au Shabbat. Que ça a commencé quoi, hein? Mais attends, il faut respecter vos hommes. Ce sont pas des femelles, ce sont des hommes, non? Vos maris sont là-bas cachés dans un petit coin, dans le noir. C'est comme si c'est. Mais attends, il est venu faire quoi? Il a pris l'avion pour venir faire quoi? Pour aller s'asseoir dans un petit coin, dans le noir, fouillé, même certains ne le voyaient même pas. Et tu laisses ton mari sur une chaise pour aller idolâtrer. Des fois, tu vois, ça fait comme ça, fait comme ça. Mais mon ami, oh, tu es un homme ou tu es une femme? Tu as épousé cette fille ou tu l'as pas épousée? Elle te sert à quoi? Mais même si c'est vous les gigolos. Parce que même papa, je ne peux pas accepter que papa, devant papa, moi je me lève pour aller commencer à faire comme ça, comme moi, jamais.
Et regarde-toi la galloise. J'ai vu tes vidéos, tu pleures. Tu es ma soeur. Pourquoi tu n'es pas resté à la maison avec l'enfant? Tu prends de l'argent que tu dois nourrir ton enfant. Ça, c'est l'argent que tu prends le billet pour venir faire quoi? Tu viens faire quoi dans le pari? Tu es fatigué, ça se voit que tu es pâle. Tu es fatigué. Tu es très pâle. Elle ne se soucie pas de toi. Elle est en train de venir faire la fête. Viens te défouler. Viens te défouler de quoi? Tu es assise où? Oh, mon père, celui qu'on appelle 44, il avait les baguettes de pied, on dirait que c'est les baguettes de pain. Il est là debout, sale, la peau est crasseuse. L'autre qu'on appelle Anis Touré. C'est l'onjansan que tu veux voir. Tu as dit que mes doigts sont brûlés. Voilà mes doigts. Hein. Regarde ta part, les doigts. Tu as dit que mes doigts, voilà mes doigts. Montre ta part. Tes doigts sont, maman, les pieds de ça, mon frère. C'est la banane brûlée, mon frère. Tu es noir, les pieds, tout est sale. Vous étiez sale. Vous avez salé la salle de Dieu éternel. Vous avez sali cette soirée. C'était une soirée. Je ne sais pas. Comment tu peux dépenser de l'argent comme ça pour ramasser toutes ces poubelles là que tu mets dans la salle, mon frère? Tu vois, moi, je peux venir dans la soirée là. J'avais bien envie de te faire la recette. Hein. Je te mens pas pour rien. Je peux venir comme ça avec les amis. Je n'ai pas même 500, 600 euros pour me faire plaisir. Mais quand je regardais, je dis non. Un promoteur doit rester seul. Un promoteur doit être neutre. Tu ne dois pas avoir un parti pris. Si vous avez votre amitié, c'est vrai, on ne refuse pas. Cécile ne m'aime pas avec tout le monde. Tout le monde, Cécile ne m'a pas avec tout le monde. Elle parle avec moi, elle parle avec compression, elle parle avec tout le monde. Elle est dans toutes les soirées, elle n'est pas dans tout. Malgré que j'ai entendu quelque chose qu'elle a chuchoté à l'oreille de l'autre, j'ai déjà bien tiré mon oreille pendant si elle parlait de moi. Oui, mais on va pas se montre encore tes doigts. on va pas se réjouir pour la galloise. La galloise, c'est une maman, voilà, elle a son fils qui est malade. On va seulement prier qu'elle trouve une solution pour que... voilà, quelqu'un peut l'aider. Moi, si elle met un compte litige, je vais cotiser. Hein, parce que ça peut arriver à toutes les mamans. C'est un enfant. On sait qu'elle va mal. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont entraînée où elle était là. Parce que c'est ma soeur. Quand je la vois là-bas comme ça, je suis mal. Je la vois comme ça, j'ai très mal au cœur. Parce que c'est ce qu'elle vit en ce moment. Donc, voilà, c'était une parenthèse pour elle. Hein, donc, je ne vais pas m'attarder là. La soirée fut un cas. Ah ben, bien sûr, la maman perpée. Oh, la chancelière est là. Des bisous à la chancelière. Et puis, il n'y avait pas du beau monde. Il n'y avait que les gens des réunions, là, des réunions, des associations, les associations. Les femmes qui se lèvent le matin, il n'y avait pas du beau monde. C'est cinéma hypocrite. Ah ouais, tout le monde, si tu le dis, hein. Donc, il n'y avait pas du beau monde. La salle était vide, la chancelière. Il n'y avait pas du beau monde. Tout était naze. Chaos. Papa, le poteau de ça. Le poteau de ça. Marie, à 7 ans, c'est la poisse. Les Parisiens ont déjà compris qui est cette fille. C'est une fille, elle vous fait croire dans Facebook qu'elle est que sans elle, vous ne pouvez pas vivre. C'est faux. C'est faux. Ce qu'elle fait croire aux gens, mais c'est faux. Elle n'attire pas. Elle n'attire personne. Et bien au contraire, elle fait vomir, elle dégoûte. C'est besoin que les gens. Tout ce que vous avez fait là, quand elle est arrivée, où vous êtes levé, on sait que c'est vos gens qui ont fait. Ton Dieu, il a organisé ses soeurs, ses copines, que voilà, quand elle va entrer, venez, faites ceci, faites cela. Mais après ça, il n'y a eu rien eu. Nous ne sommes pas venus voir le spectacle. Nous sommes venus voir les gens qui vont accompagner. Il y a un gars qui fait une soirée pour les orphelins. On n'a vu personne. Donc la soirée fut un fiasco total. Je suis sûr que tout tu es là, tu es en train de pleurer. Tu es en train de pleurer, tu as les larmes aux yeux, tu pleures. Mon frère, t'empêche pas de pleurer, il faut pleurer. Les larmes vont couler, ça va te soulager. Parce que tu es là, tu as bien mal. Tu as le mal. Tu as bien mal où tu es là. Tu as la douleur qui te... Mais mon frère, ça te fait bien mal parce que tu as perdu. Vous comptez souvent sur les qui? Fallait venir me voir. Je vais te faire la promo de la soirée là. Je te manque pas. Allez, fais ça dans vos petites vises. La jalousie de ça. Vous passez votre temps à signaler les gens. Vous dites que vous êtes... Non, ne vous signale pas. Hein. Ne signalez pas mon direct, hein. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, ils sont en train de signaler. Hein. Vous signalez pourquoi? Parce que vous avez peur. Vous êtes des lâches. Vous avez peur. Vous voulez dominer le monde. Vous ne pouvez pas dominer Facebook. Hein. Je suis désolé. Dieu éternel, Dieu poteau, je suis désolé pour toi. J'espère que tu as pris... tu vas en prendre... Tu vas... Comment on dit ça? Mais du fiasco total, ma chérie. Il n'y avait personne... Je n'ai pas reconnu les Parisiennes là-bas. Hein. Ils ont fait venir les gens ailleurs. Et j'ai même vu la veuve de Bob Marley. Tu as vu le regard de la veuve de Bob Marley. Tu sens qu'elle avait le macabre. La veuve de Bob Marley, quand je connais son regard, là, quand elle regarde, il y a un genre, là, ça veut dire qu'elle est dans son cœur.
Je connais son regard là, qu'elle fait comme ça. Ah, j'ai dit que tu es placé là, elle a le bad. Regarde là, comment c'est là qu'on appelle Zakula. Elle gesticulait dans la salle pour rien. La femme de blanc qui ramasse les gens par terre. Mon frère, comportez-vous comme des filles chic et glamour. La fille là vous trompe. Ça, c'est une menteuse. C'est une fille qui a pourri la diaspora. Dieu éternel, tu es encore jeune. Tu as encore de l'avenir devant toi, mon frère. Prends conscience. On ne te refuse pas d'être ami avec. Vous pouvez être ami, mais ça va faire la part des choses. On ne mélange pas ça. Si tu avais écouté tes frères, tes oncles, tes tantes, peut-être que tu es en train d'être dans une grande salle. Tu devrais être bourré du monde. Parce que les gens devaient venir pour la cause, juste parce que tu fais ça pour les orphelins. Aujourd'hui, tu es en plein pleur. Elle va me clasher, ça fait quoi? Aujourd'hui qu'elle me clash. Elle va me clasher bientôt. Où est le problème? Elle me clash. C'est la nouvelle clash. Tous les jours qu'elle dit qu'elle... Elle ne s'est pas levée lorsque Foucault est arrivé. La veuve a dit que non. La veuve... La vie boule là. Une jalouse. J'ai compris. Tu as vu bien, Lolo. Donc... T'as pas écouté les grandes personnes, tu veux faire bon mal, hein? Elle est pas envoyé les cas, ils vont signaler. Allô, oui. J'ai mis le haut-parleur, maman ministre. Direct, non, je vous allez appeler. Je vais mettre le téléphone en ligne, vous appelez. Maintenant, c'est pour aller au Nigeria, compas. Maintenant, c'est la demande du Nigeria que les gens portent. Maman, je vais te dire quelque chose. Peut-être que les gens n'ont pas bien compris la journée d'hier. C'était journée potéage. C'est la date de Pierre. On appelle la journée là de journée potéage. Ça potéait la mort. Ça potéait même pour les bars. Ça potéait même pour les soirées. Comme de photos. Hey, ils n'ont pas dit qu'ils sont stars. Quelle star? Même la morgue, même dans le malheur, on ne vient pas te soutenir. Photos, pas. On poussait même les corbières au Cameroun. On a poussé quoi? On poussait même les corbières au Cameroun. Maman ministre, on parle du poteau de la soirée. On parle du poteau. J'ai fini d'abord, je vais arriver sur la soirée. C'est les Isaoua que tu veux voir. Ouais, Maria Satan. Viens, va te fuir, Rob. Il battait en boîte. Maria Satan, viens, va te fuir, Rob. J'ai une très belle robe là, comme j'ai fondu. Je vais t'offrir la robe là. C'est quoi ces habillements là? Il n'y a que Saint-Denis, ma chérie. Il n'y a pas un autre marché où tu peux acheter des vêtements. Tu dis que tu es une star, non? Mais toi, ne tape jamais poteau. La poteau gang, c'est vous. Moi, Mini, c'est pas le maman. Maman, Lolo, je dis, hein, c'est quoi encore que qualité, ça, ma mère? Dis-moi, j'ai une robe noire ici qui peut bien l'aller. Brillant derrière, tout décolleté, avec les seins, un côté là. En tout cas, c'est un fiasco. C'est la vraie honte. Maria Satan, c'est la plus méchante de toutes les Camerounaises. Elle s'en fout. Elle s'en fout du bonheur de Dieu éternel. Hein. Elle s'en fout de la recette qu'il peut faire. Est-ce que tu n'as pas vu qu'elle a fait que son show? Elle est venue faire son show. Elle n'est pas venue là pour Dieu éternel. Hein. La mamie du Soumoussounga a tapé poteau. Toi, a tapé poteau. C'était zéro. C'était grave, hein. C'est quelle journée poteau comme ça? Il faut qu'ils notent ça dans leur carnet. Ça n'a pas dû une journée de poids sur leur groupe, hein.
C'était une bonne journée poisseuse, hein, parce que jusqu'aux robes que j'ai vues sur le, maman, la chèvre, vous voyez, la chèvre. La chèvre. Non, la robe là, la chèvre, non, l'une des mages de ça. Bon, maman ministre, tu sais, le babada n'est pas bon. Entends-nous une chanson pour le poteau. Moi, je veux le show. Je veux le show. Bon, je veux appeler le babada. Attends. Le babada là me fatigue, ma soeur. Écoute alors. Potence, gang. Poteau. Et robe, Isaura. Robe, Isaura. Tu as même dépassé, Isaura. Robe d'enterrement. Robe d'enterrement. C'est ça que vous voulez, vous, Acha? Même le Misunga sentait dans la salle, on ne voulait pas. Aïe! Partagez même la boisson, Dio. Il n'y avait pas moyen sur les tables. Potéance. Oh, le goût d'un chat. Le goût d'un chat. Oh. Le goût d'un chat. Le game de la soirée. Les beaux aïeux brûlés, vous avez même pas remarqué. Quand le bousaïen mettait la crème de sa femme depuis, maintenant le brûlage. Eh, mes sœurs, ayez pitié des vues. La stamania, Divi, tu as menti les gens. L'enfant détruit est parti verser son argent. Quelle belle salle! Comme c'était la salle de l'obscurité pour appeler la sorcellerie, nous n'étions pas nous venus. Nous n'avons dit non. Nous avons nos faux français, nous restons dans l'être. Pour on fêtait les bacs hier. Nous on fêtait bac. Nous on fêtait bac sans poteau. Nous on fêtait bac. Les robes de potéance. Les robes de potéance. C'est ça que vous voulez voir. Voilà les gens que, qui disent qu'ils vont être un exemple. Nous montrer. Nous les bengues, les parisiens. Mais mon frère, Lolo. Mmh. Ça les cite souvent pour les robes un peu bizarres là, il faut un peu donner ça là-bas. En tout cas, moi je parlais particulièrement à Dieu éternel. J'ai à Dieu éternel que cette fille-là, elle n'est pas venue. Écoute, elle n'était pas là pour ta clientèle. Je vais te dire, parce que j'ai regardé les prix de tous les salons. Hein? Qui l'a pris? Tu sais que le petit a mis de l'argent sur sa déco, mais pas la déco, ça. C'était les chaises qui embellissaient vraiment parce que s'il a vraiment mis, bon, c'est une grande salle de 1600 personnes, il comptait d'abord sur quoi? Il est malade pour prendre une salle de 1500 personnes. Il est qui à Paris pour faire une soirée? Cette salle est une salle de 1500 personnes. La déco était belle. Il y avait de l'espace. Il y avait tout ce qu'il fallait. Mais franchement, la manière qu'on a annoncé cette soirée. La soirée du siècle. Elle a tapé le poteau, elle a tapé le poteau. Maria Satan a tapé le poteau. Attends, je vais dire quelque chose à ses fans. Lolo, dans la promotion des soirées, on ne fait jamais le mensonge. Quand tu dis, quand tu annonces un artiste, il doit être là. Quand tu annonces quelqu'un, les gens ne peuvent pas même leur billet d'avion pour venir. C'est ça qu'on appelle de la promotion. Donc c'est un groupe, c'est un gang de menteurs, d'escrocs. Avec le soirée, on a confirmé la escroquerie et leur mensonge. La soirée a fait poteau. Partagez-moi le direct là. Il avait annoncé Didi Yangolo. Il avait annoncé plein de gens sur cette affiche. Déjà, depuis quand on fait une affiche rouge, c'est le sang. Dans une salle sombre. Maman ministre, laisse-moi un peu dire quelque chose. Parce que je vais m'embrouiller, je vais plus dire ce que j'ai à dire. Reste en ligne. Moi, et puis tu mets aussi le téléphone. S'il te plaît, maman ministre, tu as mon numéro là, mets ça en ligne aussi. Que ceux qui veulent appeler vont appeler. Je vais juste attirer l'attention de Dieu éternel pour dire à Dieu éternel que Dieu éternel. La soirée, quand tu es commercial, quand tu es dans le showbiz, hein, il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans le showbiz. Il faut être neutre dans le showbiz. Cette fille vous trompe beaucoup. Parce qu'elle, c'est une clasheuse. Ce n'est pas une blogueuse. Entre clasheuse et blogueuse, c'est deux mots bien différents. C'est qui bloque, c'est quelqu'un qui peut apporter quelque chose à la société. C'est comme comment on appelle les blogueuses, la petite, la femme congolaise, elle s'appelle comment? Sonia. C'est une blogueuse. Lolo Beauté, c'est une blogueuse. C'est une blogueuse, c'est quelqu'un qui peut apporter un message. Voilà, ce n'est pas quelqu'un qui place son temps. Maman ministre. Maman ministre, baisse un peu ton côté. Tu peux pas avoir deux téléphones à la fois. Ça me fait un truc à l'oreille. Ça me rend nerveuse. Je vais mettre ton numéro en ligne. Oui, mais baisse l'autre téléphone. Une blogueuse, c'est une personne qui est là, qui peut montrer les choses comme ce que je faisais avant quand je faisais à cœur ouvert.
Je montrais les astuces de cuisine, les petits trucs. J'apprenais aux filles à faire à manger, les mets de cuisine. Voilà ce qu'on appelle une blogueuse. Quelqu'un qui peut débattre sur les trucs de la société. Mais elle, c'est quelqu'un qui passe son temps à insulter les gens, à insulter, à dénigrer, à saboter. Ces genres de personnes-là, il y a ceux qui vont dans la soirée pour être, juste par curiosité, pour voir qui est cette personne qui insulte tous les jours. Mais ils n'y vont pas parce qu'ils vont pour elle. Alors quand ils vont une fois, ils la voient, ça, après ils s'enlacent. On l'a déjà vu dans tout Paris. Tu ne peux pas conquérir Paris avec cette fille-là. Jamais. Prends un artiste renommé comme Daphné, comme Blanche Bailly, comme Loco, comme Longuet, comme des artistes qui font le show en ce moment. Ce n'est pas parce que tu es avec Marie à 7 ans que tu as rempli ce rôle, croyant que comme elle est là, elle attire du monde. Jamais, mon ami. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Même où elle va, partout elle va mener ta poteau. On ne voit plus ses photos. Elle est partie au Canada. Au moins, elle a pris les étudiants pour remplir la salle. Elle a pris les étudiants. Ont... Et la salle était pour dire pas de billets. Il n'y avait rien. C'était vide. C'est pour vous pouvez comprendre que soyez un peu intelligent. Moi, je ne suis pas jalouse d'elle. Au contraire, bien au contraire, malgré que je danse, j'ai de la peine pour toi. Je sais que tu as perdu. Et avec cet argent, tu devais aussi aller aider mes frères orphelins. Mais tu as perdu beaucoup d'argent. Tu es mal où tu es là. Tu as très, très mal. Et elle-même, ça se voit. Elle croyait faire du buzz. Elle croyait que. Comme c'est toi qui es la soirée, tu es son ami. Donc elle croyait que comme tu es son ami, tu devais la mettre à l'honneur. Elle allait louer un salon, parce que je n'ai jamais vu ce salon à Paris. Hein. Elle allait louer une grande couronne comme ça, genre pour venir faire le buzz, que non, il y a qu'elle qui va faire s'asseoir. Les gens, mais à la grande surprise, on vous a dit non. Paris vous a refusé. Et partout, on vous refuse maintenant. Que ça soit partout vous allez partir, on va vous refuser parce que vous souillez. C'est quelqu'un qui salit l'image de la femme camerounaise. C'est quelqu'un qui salit l'image de la femme africaine. Elle ne mérite pas. Elle ne mérite pas cet honneur-là. Si elle était calme, si elle était posée, oui. Mais elle ne mérite pas cet honneur. Une femme qui reste devant une autre femme, qui parle d'une tote, de ciseaux, de tout ça là, ça dénigre la femme et ça salit la femme camerounaise. Je n'ai rien contre ça. Une femme qui partage la nudité d'une femme. En plein monde, elle vous le dit que j'ai partagé Hora. Tu crois que ça fait plaisir à beaucoup de personnes? Ces gens-là qui sont là, ce sont les mères d'enfants, ce sont les parents. Ça peut arriver aussi à leurs enfants plus tard. Depuis ce jour-là, elle a tapé pour tout. L'année passée, elle faisait effet. Mais cette année, elle est zéro. C'est terminé. C'est fini. Ma chérie, assieds-toi, tu fais même ton truc que tu dis que tu vas faire. Ta société, ça sera un fiasco total. Personne ne va acheter ça. L'exemple devant toi, tu n'as pas pu faire vendre Radia Mélanie 100 bouteilles de tes crèmes. Quand on écrit ton édition, tu étais incapable de vendre 100 bouteilles. 100 bouteilles, au moins en 3 mois, tu étais incapable de vendre 100 bouteilles des produits Radia Mélanie édition Flore. 100! Et tu me dis que tu es star. Non, tu n'es pas star. Tu te trompes. Tu n'as rien dans la tête. S'il vous plaît, bloquez-moi ce qui dérange là. Bloquez-moi les microbes là. Parce qu'ils m'empêchent de parler. Voilà, il m'empêche de parler. S'il vous plaît, ceux qui sont administrateurs, essayez de me bloquer tous ces masses de gens-là qui dérangent là. Parce que vous m'énervez. Parce que vous ne voulez pas, quand on dit la vérité, ça vous énerve. Voilà. Elle a tout le monde dit non à cette fille. Et je suis fier. Aujourd'hui, je vais dire merci aux Parisiens. Merci à la population parisienne. Merci. Vous avez donné l'exemple aux autres, comme la Suisse a d'abord donné l'exemple à la soirée de Grace Deka. Tu vois une icône de la musique camerounaise comme Grace Deka arrive dans une salle vide, toujours à cause de cette fille-là. Parce que je vous avais dit ça ici-là, que je connais la Suisse, j'ai habité en Suisse, je connais la femme suisse, la camerounaise suissesse. Elles n'acceptent pas la saleté parce que là-bas, elles sont calmes. Elles ont leur petite vie privée. Ça reste en Suisse, ça ne sort pas de la Suisse. Alors, elles ne veulent pas ce genre de personnes-là. Elles ont régné. C'était une salle vide en Suisse. Pareil, une icône comme Grace Deka. Elle est rentrée avec le poteau de la Suisse. Et aujourd'hui, les Camerounais ont montré à la salle de la soirée de Céline. Je vais vous rappeler quelque chose. À la soirée de Céline, cette fille, ce n'est pas elle qui a rempli la salle. Céline a toujours fait un carton plein qu'elle a amené un artiste. Quand Céline a amené José, c'était carton plein. On remboursait même les gens. Parce que José n'était jamais venu à Paris. Elle est revenue avec Baby Philippe. Elle est revenue avec Prince Yango. C'était, mais attends, c'était du. C'est tout le monde qui avait envie d'aller là-bas pour aller voir Baby Philippe. Une comme moi, je suis pas allé, mais j'ai eu mal au cœur parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mais j'ai dit, donc, je n'y vais pas parce que cette fille-là sera là. Non, je ne vais pas. Mais j'adore Baby Philippe.
Donc, ce n'est pas toi qui as rempli la soirée de Philippe. Tu devais nous montrer ta capacité en remplissant la soirée de ton frère et de ton ami et de ton fils. Donc, ça veut te dire que tu as échoué sur toute la ligne. Alors, ferme ta gueule quand tu as fait ton massacre sur Facebook. Tu nuis. Tu salis. Tu es la honte de la femme africaine. Tu es le déchet de la nation. Tu es celle que les gens ne veulent pas. Moi que tu vois là, tu parles de moi, tu ne me connais pas. Les gens m'adorent, moi Lolo. Je n'ai pas envie de vous faire vivre ce que j'ai vu. Les gens m'adorent, moi Lolo que tu vois là. Partout, je ne suis pas comme toi qui est venu raconter que, oh, on m'a fait ceci. Si je te montre seulement les Western Union que je reçois des gens, les appels des personnes, des hautes autorités que je reçois, mais je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas me fait voir. C'est des parvenus qui se font voir. J'ai connu la baignoire quand j'étais jeune. J'ai connu la belle vie. J'ai mangé à table avec papa et maman. J'allais à l'école, je prenais mon petit déjeuner. Donc, je connais la belle vie. Donc, je ne suis pas une parvenue. C'est des parvenus comme les vous là, comme les toi là. Que tu as dû montrer que c'est moi, alors qu'il y a la misère derrière. Tu n'as rien. Tu es une pauvre. Tu as tout détruit. Tu as détruit la vie de Dieu éternel. On ne le connaissait pas. On ne connaissait pas avant qu'on l'appelait que c'était un PD. Personne ne te croit qu'on le tout l'as. On ne connaissait pas Dieu éternel. On connaissait que c'était un garçon très posé, tranquille, qui était tranquille dans sa petite vie, ne cherchait les premières personnes. Depuis que tu as entré dans la vie de ce petit fils de garçon-là, tu l'as foutu dans la merde. Au lieu, le nom de son père traînait dans la boue. Quand on dit son père, c'est un dépso aidé. Tu as envoyé. Maman ministre, qu'est-ce que c'est pas ça? Je peux parler. Non, mais tu me coupes pas la parole, ma chérie. D'accord. Voilà. Donc, tu... Je ne pas. Donc, c'est pour te dire que Dieu éternel. Dieu. Oh là, on va venir sur la. On l'a traîné dans la boue, ses parents. Vas-y, continue. Donc, voilà, tu as traîné toute ta famille dans la boue. Tu as traîné Dieu éternel dans la boue avec toute sa famille. Tout ce que tu touches, tu détruis. Regarde Zakola. Si elle dépasse. La Zakola, que tu vois là, la Zakola là, c'est une grande famille dans Vogada. C'est tout un village que tu as souillé. Cette famille, la famille Vogada, c'est un village, tout un cas, tout Yaoundé que tu as souillé. La famille Vogue, la famille de Zakola. Mais le fait qu'elle est venue s'accrocher à toi, elle oubliait qu'un jour ça peut aussi, elle peut aussi bouffer le Njangi. Elle bouffe aussi, elle oublie les conséquences qui peuvent arriver à elle. Elle n'a pas épargné sa famille. Aujourd'hui, elle vient pleurer sur tous les toits. Qui a organisé ça? C'est toi-même, Zakola. Si tu étais consciente, un seul instant, que tu as une famille, moi, les parents, mes parents sont déjà morts. Hein. Tu vas là, qui vont, on va dire que Maître Mbiaye est déjà mort. Hein. On va dire que Madame Mbiaye est déjà morte. Hein. Ah oui, mes petits frères connaissent que moi, je suis pas là depuis. Et tout Krimi connaît que je suis comme ça. Que je suis pas là, que mon cerveau, quand ça va pas, je me lâche. Non, mais pour vous là, on connaît quand même les patriotes Betty. On connaît les patriotes, les pères Betty au Cameroun là, qui avaient le pouvoir au Cameroun. Ce n'était pas quand même n'importe qui ton papa. Mais tu es venu salir le nom du père parce que tu veux t'accrocher à une femme qui insulte enfant, maman, toute une famille. Et tu es là aujourd'hui, tu commences à pleurer que on est ma. Mais j'ai appris, c'est que tu as complété une Nivakine à la soirée avec 44. Tu as complété avec lui que vous avez venu m'arrêter à la soirée au parking à Reims. Ma chérie, je n'ai jamais fait un endroit à Reims pour aller faire la prostitution. Je te le rappelle bien. Tu viens à toute heure, à tout moment, tu ne me verras jamais dans une rue de Reims. À Reims, je ne sors pas. Je suis 24/24/24 chez moi. Je ne vagabonde pas. Demande à ta fille Cristaline. Cristal Amévé. Si elle m'a déjà vu dans un ganda à Reims ou dans un restaurant à Reims, never. Allô? Si elle m'a déjà vu, même dans une soirée à Reims, jamais je ne sors pas. Quand je suis à la maison, je suis à la maison. Je vais faire mes coups, je rentre, je m'occupe de ma fille et de mon homme. Je ne vagabonde pas. Personne ne me connaît à Reims, ça fait 3 ans. Personne ne me connaît ici. Je ne sors pas. Celui qui t'a dit que moi j'ai fait la prostitution au parking à Reims, va bien te renseigner là-bas dans le parking. Là-bas. Je ne sais même pas de quel parking tu parles. Va bien te renseigner. Ton coup que tu montes, Zakola. Si tu frôles. Oh là, Jésus. Allô? Oui, allô? Oui? Moi, je suis bien sur le direct de Lolo. Oui, vous êtes sur le direct de Lolo. Il y a un problème? Non, je voulais te participer au direct. Oui, parce que vous êtes agressive. Ah, d'accord, désolé. Oui, vas-y, je vous écoute. On te disait que j'étais à la soirée là. Oh, mais le parleur, oui, madame. Vous étiez à la soirée. Vous pouvez nous donner le début du film, ce qui s'est passé là-bas. Oui, j'étais à la soirée hier, franchement. Quand on dit quelqu'un a tapé poteau, c'est le vrai tapé poteau. Quand tu
entrais dans la salle, rien que l'odeur te frappait, ça te donnait même pas le courage de manger des salles de Sunga qu'on vendait 4 à 10 euros. Franchement, cette femme-là, c'est une poisseuse. Tellement qu'elle porte la poisse que je suis même sorti de la salle, on a volé mon téléphone portable, il a fallu que je reconduise ma puce. Les gens qui pensent que celle-là, c'est une idole, où ils partent s'incliner devant qu'elle-là, moi, je me demande s'ils sont fous, on les a vendus seulement dans la sorcellerie, je ne sais pas. Une chienne comme ça là, elle pensait qu'elle est qui qu'elle va prendre Paris. Elle n'est rien. C'est une saleté, une déchet, une sale race. C'est ça ma chérie. Mets-toi à l'aise. Mais franchement, oui, une femme comme ça, je ne sais même pas où elle sort, d'où elle vient, dans quelle planète elle vient. Elle vient se comparaître avec les gens. Partagez le direct. On va sensibiliser aujourd'hui là. Partagez le direct. Maman parle. Mettez le numéro. On va appeler. Mais... c'est une sorcière, elle boit du sang. Voilà. Et les gens ne connaissent pas ça. Il faut être avec elle pour connaître ce qu'elle est. Voilà, c'est ça. Les gens veulent comparer le virtuel et le réel, mais c'est faux. Voilà, c'est voilà ça. Il a le poma dans le ventre. Oh, j'ai dit je non. Je vous dis, mais attends, j'arrive dans la soirée parce que j'ai un ami qui m'a invité. Mm-hmm. Je n'entendais même pas la soirée. C'est avant-hier qu'ils m'ont dit qu'il y avait une soirée. J'ai dit, ok, il faut qu'on aille. Je ne savais pas que c'était Déchet là qui était assise là-bas. Voilà. Juste qu'on a même décoré, mais avec sa tête, on dirait la malchance. J'ai perdu mon téléphone dans cette salle-là. Voilà une fille qui était à la soirée. Elle est en train de témoigner. Témoigne, ma soeur. Donc, tu la vois d'abord de face. Tu as l'impression de voir le diable en personne. Tu dirais, oh, donc franchement, quand tu es quelqu'un qui croit en Dieu, quand tu es à côté de cette femme-là, tu comprends que c'est une initiée dans la sorcellerie. Yappa! Tu comprends que c'est une initiée dans la sorcellerie. Mais franchement, il faut que les gens arrêtent d'être bêtes. Voilà. Il faut que les gens arrêtent d'être bêtes. Le litige qu'elle a fait là, les gens voient 4000 euros, vous pensez que c'est qui? C'est elle-même et sa bande de secteurs. C'est elle-même et sa bande de secteurs qui contribue dans sa cagnotte. Elle n'est rien dans rien. Voilà. Ils sont le lèvre, tout ça, c'est de l'illusion. Voilà. C'est de l'illusion. Tata Lolo, moi, je vais te dire, tu es une femme que j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup, ma chérie. Je te suis beaucoup depuis des années. Mm-hmm. C'est la première fois que je participe à ton direct parce que franchement, cette fois-ci, ton débat m'a touché. Au point, j'ai dit non, je vais participer. Désolée si j'ai été agressif au départ, c'est parce que vraiment j'ai été excité et énervé du fait que j'ai perdu mon téléphone dans cette putain de soirée. Je te comprends, ma chérie, vraiment, je te comprends. Le problème, c'est que les Camerounais ne veulent pas comprendre. Tu comprends, le maman? Les Camerounais ne veulent pas comprendre. Ils se disent qu'on est jaloux. Jaloux de quoi? J'ai amené un concept où les petites filles, les jeunes filles apprenaient à cuisiner avec moi. Je leur ai montré comment on fait le ménage. Je leur ai montré beaucoup de choses. Cette fille-là, par jalousie, elle allait prendre ma nudité, elle est venue publier sur la toile. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Les gens qui prennent ça comme quelque chose de normal, c'est des tarés. Voilà. C'est des tarés. Mais il faut qu'on arrête un peu. Ceux qui étaient à la soirée, là, ceux qui ont été à la soirée, appelez, vous me donnez. Voilà une aussi qui est en train de nous dire ce qui s'est passé. Moi, j'étais dans la soirée. C'est la première soirée que je participe, organisée par Dieu Éternel. C'est la première soirée. Moi, je ne connaissais même pas ça. Parce que moi, je sors de la Belgique. Je suis arrivé rendre visite aux gens. Et puis, ils m'ont dit, bon, allons là-bas. Si je savais, j'ai perdu mon téléphone où je gardais tous mes contacts à cause d'une poisseuse. Voilà. Moi, je ne veux pas accuser les bandits. C'est elle. C'est une poisseuse. C'est une femme qui marche. Elle a ma chance sur elle. Voilà. Maman. Le petit Dieu Éternel, c'est quelqu'un que moi j'ai valorisé au départ. Je garde l'anonymat parce que je veux pas m'exposer. Parce que les femmes comme vous, comme ça, je vous respecte beaucoup, surtout toi. Merci beaucoup. Je te respecte beaucoup. On a publié ta nudité, mais tu as toujours gardé la tête. Oh, franchement, chapeau pour toi. Chapeau. Merci beaucoup. Une femme qui dit qu'elle a les enfants, qui a accouché, ne peut pas publier la nudité de quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux. Elle manipule ce petit-là. Elle manipule ce petit qu'on appelle Dieu Éternel. Voilà. Et puis, je me demande quand est-ce qu'il va se réveiller. Mm-hmm. Ambassade d'Ea. Mais c'est pas possible, il faut qu'on arrête, franchement. Il faut qu'on arrête, cette femme-là ne mérite même pas. Quand tu prononces même son nom, ça m'énerve parce qu'elle ne te vaut même en rien. Qu'est-ce qu'elle a déjà apporté dans la société depuis qu'elle fait ses directs-là? Si ce n'est les godes, les lesbiennes, les culs, faire la clientèle en plein direct devant les gens, sachant que tout le monde a Facebook, même les enfants, quelle éducation. Voilà. Demain, elle a dit devant tout le monde qu'elle a fait. Elle a fait l'IVG. Voilà. Non, mais attendez. Franchement, Tata Lolo, franchement, si j'étais agressif au départ, c'est parce que j'étais vraiment énervé. Je n'ai rien contre toi, rien contre la team Lolo. Moi, je vous aime, je vous kiffe très très fort et merci encore pour l'initiative. Je vous fais un gros bisou. Bisous à toi, ma chérie. On va continuer le combat. D'accord. On va continuer, on ne lâche pas. Celle qui veut pourrir la diaspora et les promoteurs des soirées et tout ce qui va avec, les Maeva Images. Maeva Images, tu viens à Paris, tu n'appelles pas Lolo. Mais ici, là, dans Paris, là, mais merci ma chérie, s'il te plaît, tu peux mettre le numéro en bas sur le direct, ceux qui veulent appeler aussi, appelez. Oui, je vais mettre le numéro tout à l'heure. Ok, merci beaucoup.
Parce que je l'ai pas dans la tête. Maëva Image, tu viens déjà à Paris. Tu viens faire tes photos. Les photos. Tu as oublié que c'est moi Lolo. Parce que l'homme noir est ingrat. C'est une vérité. L'homme noir est très ingrat. Tu as oublié que c'est moi Lolo qui fait les heures et les heures ici là. Pour faire ta promo dans Paris là. C'est moi Lolo qui fait ta promo dans Paris pour dire que Maëva Image c'est un bon photographe. Aujourd'hui, comme tu connais la place parisienne, comme tu es venu là. Logique, quand même, m'assois sur toi. On va dire que c'est Lolo, tu vas dire non. Parce que je suis quelqu'un qui est très gentil. Tout ce que je demande, c'est la reconnaissance. Il faut reconnaître le bienfait de quelqu'un. Dans la vie, quand tu ne reconnais pas le bien, il ne faut pas être ingrat. Tu ne peux pas avancer. Tu vas faire ton temps. Il y aura un autre qui va revenir. J'ai pas fait le nyanga avant, non. Il gonflait. Comme le tapioca. Il a. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est pour. J'appelle pour la vidéo de Lolo. Oui, je suis tué sur le Tata Lolo, s'il te plaît. Comment? Vous êtes sur Tata Lolo. Comment ça, je viens sur Tata Lolo? Mais tu appelles sur le direct de Tata Lolo, là? Oui, oui. Je t'écoute, ma chérie. Est-ce que je suis en ligne? Je suis en ligne. On t'entend, là. Ok, Tata Lolo, bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Maman. Bon courage, nous sommes derrière toi. C'est juste que parfois on a des familles et on ne veut pas s'afficher. Oui, oui. Donc, sérieux, nous sommes super derrière toi. On ne dort pas la nuit, on ne dort pas en journée, on reste pour veiller. Mm-hmm. Sois forte et bats-toi, on va toujours les signaler. Moi, je suis là en faux profil. Oui, oui, je suis chérie. En train de regarder. Je suis bon courage, au revoir. Merci beaucoup, c'est gentil. voilà, Maëva Image, quand tu arrivais ici, là, c'est, on ne te connaissait pas à Paris. Hein. Tu te limitais à la frontière de la Belgique et de la France. C'est moi, Lolo, qui est venu à ton nom, qui a commencé à t'appeler le chancelier. Moi, Lolo, aussi, qui a commencé à faire ta pub ici. Là. Vous, l'homme noir, vous oubliez très, très vite. Vous oubliez le bienfait de quelqu'un. Vous nous insultez sur la toile. C'est vous qui restez au cas. Vous dites que les filles-là clashent. Les filles-là sont comme ça, les filles-là sont ceci. Mais vous oubliez qu'on vous apporte beaucoup. Même vos musiques, même les artistes, c'est la bonne musique qu'on joue là. Il y a beaucoup de gens qui écoutent ces musiques-là par rapport à nos directs. Quand ils regardent nos directs, c'est de, oh, comme Maman Guéa. Maïlou, elle adore Maman Guéa parce qu'elle a entendu comme, parce qu'elle connaît Maman Guéa depuis, mais elle a, quand, au fur et à mesure que je jouais Maman Guéa, elle a recommencé à aimer Maman Guéa. Ma fille, Aude Kamlan, tu connais ce qui, tu en sais quelque chose avec Maëva Image. Tu commences à te faire la poésie. Tu viens à Paris dans tous les soirs, tu dis que Maëva Image, tu as oublié la personne qui t'a lancé dans l'histoire des soirées, c'est moi. Jusqu'on a commencé à dire que j'ai sorti avec toi. Je te fais la promo ici, là, tous les jours. Quand tu viens maintenant à Paris, tu fais un tchoukou, tu mets ta chemise blanche avec l'imprimante Maëva Image. Moi, je vais fabriquer un photographe ici, là, dans Facebook. Tu as compris, non? Je vais aussi fabriquer ma page de photographe ici, dans Facebook, là. Maintenant, toute la diaspora, là, t'appelle de partout. Tu as oublié que la fille, toi, tu disais que tu filmais seulement les mariages. Même à Bruxelles, tu n'étais même pas trop connu. Les gars que je connais à Bruxelles qui font les photos, là, c'est le bas Cyril. Cyril, là, qui fait les photos à Bruxelles. Quand je venais à Bruxelles, c'est Cyril là qui était la mode. Mais moi, j'étais sorti de Bruxelles, je t'ai fait connaître dans Paris. Tu es maintenant dans les soirées parisiennes de mes gens qui veulent me tuer, qui ont affiché mon image. Tu oublies d'appeler Lolo. Mon frère, il faut aller doucement. Hein. La vie, ce n'est pas comme ça. La vie, c'est mollo. C'est comme il faut aller doucement. Soyez reconnaissant quand quelqu'un fait quelque chose pour vous. D'accord, j'ai compris. Voilà, c'est mollo. Il est venu pour la soirée, vous avez entendu que ça devait être la soirée du siècle. Vous avez tapé, même les photographes ont tapé photo. On ne va pas vous payer. Quand vous venez souvent pour 300, vous avez peut-être 50 euros. S'il vous plaît, mettez le téléphone. À quoi vous parlez? Mettez le numéro, non, c'est qui ont appelé. La maman ministre, s'il te plaît, mets le numéro, non. Et partagez le direct. Une fille qui s'assoit sur Facebook, elle insulte toutes les familles en famille qui a passé tout ça à salir l'image du Cameroun. Une femme qui déchire la carte d'identité camerounaise. Est-ce que vous, les Camerounais, vous êtes conscients? Pourquoi c'est ce qu'on appelle un document officiel, comme la carte d'identité, comme un passeport? C'est un truc qu'on respecte. Est-ce que vous, les Camerounais, vous êtes même conscients? Est-ce que vous aimez même votre pays? Vous n'aimez pas votre pays? Si un Camerounais, quelqu'un qui est patriote, qui aime le Cameroun, comme le Samuel le Tola, va dire non à cette fille, non! On la déteste pas, mais elle fait trop de mauvaises choses. Elle se lève le matin, elle vante les trucs dans la vie. Déjà, elle dit que moi, je fais la prostitution, alors que j'ai un enfant à la maison. Moi, je te dis que ma chérie, toi et moi sur Facebook là. Quand tu vas me rencontrer, dans quelques heures, je serai à Paris. Tu me dis à quelle heure où je viens te trouver là. C'est pas les. On a dit que. Et tu es là-bas avec ma petite soeur, même bien là. Oh, je vais venir avec ma petite soeur, mon même ventre. Tu vas voir comment tu vas nous dépasser à deux. Même seul, tu ne mets pas mon dos par terre. Tu es la honte de la femme camerounaise, la honte de la femme africaine. Tu es la rusée de la toile.
Tu fais honte à toutes les Camerounaises. Tu fais la honte, tu cours choco choco. Avec ton habit de marabout du Bénin là, que tu es venu faire la soirée, tu t'es sorti, tu es là, tu go, la honte était sur ton visage. Tu as eu la honte, shame. La honte, tu, ça s'est lisé sur ton visage. Et tu ramasses tous ces guignols, tous ces ballots de femmes là. Elles sont là comme les tortues. Elles sont sales, elles pourrissent, ça, le regard. Hein? Elle déchire l'emblème de l'État. Bien sûr, Aïcha, elle a déchiré. Hein? Elle a déchiré. Tu peux au Canada, tu peux au Canada. Tu es allé au Canada faire quoi? Tu as le don de plus. Une Française, moi je connais les gens qui sont les Français là qui vont en vacances tous les jours aux États-Unis, partout ailleurs. Hein? Ils font pas trop de bruit. Machin, bloquez-moi les gens là, non? Qui est administrateur là? Ouais. Administrateur, bloque-moi tous ces microbes là. Allô? Bon, oui, bonsoir ma chérie. Bonsoir. Oui. Je suis en direct là. Tu es en direct du Poto Poto. Océane. Oui, Océane, bonsoir. comment tu vas? Mais j'ai envie de parler. Parle, Océane, tu es là. Parle, à cœur ouvert. J'ai envie de parler. C'est le parler du poteau poteau. La sorcellerie de fleurs. Attends, je vais te présenter. Attends, Océane. Océane, dis pas que je te coupe la parole. Je vais te présenter au Camerounais. Ça, c'est une sœur africaine. C'est une sœur africaine. Elle vient du Togo. Et elle aussi, elle fait des vidéos de temps en temps. Elle vit au sud de la France. Donc, elle était amie à l'époque avec cette Maria Satan. Elle était là le jour où Maria Satan a montré ma vidéo, ma photo nue sur Facebook. Donc, elle était présente. Et à quelques heures après, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est elle qui va intervenir là. Aussi, voilà, vas-y, parle, ma chérie. Ils signalent. J'ai la sorcellerie de la fille là. Quand on parle que les gens n'écoutent pas, les gens croient qu'on les déteste pour rien. La sorcellerie de la fille là, c'est grand. Hein. Son bois là qu'elle a en main là, hein, le bois là, son palamongo là, c'est pas un jeu. Hein. Ce n'est pas un jeu. Si vous prenez ça à la plaisanterie, vous tous là, je dis, le gars là, comment il s'appelle là, Dieu éternel, j'ai mal pour lui comme ça. Ah oui. Hein. Moi, Dieu merci même que je... Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, envoyez beaucoup de cœurs, ils sont en train de signaler, partagez le direct, s'il vous plaît, partagez. Je pleure pour Dieu éternel, il a perdu. Ah oui. Je dis, pleure, il faut aller voir un vieux de te laver, de t'enlever la poisse là du toit. Le rêve que j'ai fait de toi, je suis malade ici, mais je suis debout. Et si je veux parler, ta sorcellerie que tu as sur toi là, va au village, on t'enlève ça avant qu'il ne soit trop tard. Mais moi là, d'où je viens, c'est très loin. D'où je viens, c'est trop loin. On ne me fait rien. On ne me fait aucun mal. Le vent va passer seulement. Mais le reste là. Hein? Je vais me lever. Moi, je me suis tué, c'est pas parce que j'ai peur de toi. Hein? Non. Je sais pourquoi je me suis tué. Parce que partout où toi tu vas passer là, hein, c'est que la merde que tu vas laisser là-bas. C'est que la merde. Au nom de Jésus. Complètement, vous qui la suivez, vous qui la soutiennent, vous n'avez même pas à manger chez vous. Vous devez cotiser pour elle. Vous devez cotiser. Si tu n'as pas pu gérer Randia Mélanie, c'est pas ta société que tu vas gérer. On va voir combien de temps ça va durer. Bordel de merde. Tu fais que du mal partout. Tu ne fais que ton petit frère, Dieu éternel, regarde ce que tu lui as fait. Tu as planté sa soirée. Ah oui. Tu as planté sa soirée. Dieu éternel, j'ai un truc à te dire. Si tu ne sors pas, si tu ne quittes pas derrière celle-là, c'est ta chute qui va arriver. Si tu ne quittes pas derrière Flore, Flore c'est une sorcière. Je dis, je confirme. C'est pas que j'ai quelque chose contre Flore ou je l'envoie à quelque chose. Cette fille, elle a quelque chose. On doit l'enlever. Elle ignore ça, mais je dis encore, je crie ici. Il faut venir à son aide. Dieu éternel, tu as encore la vie devant toi. Tu es jeune. Laisse affaire de Flore là pour avancer dans la vie. Voilà ce que j'ai envie de dire. Voilà. Merci beaucoup, Océane. Merci. Merci beaucoup. Et Tata Lolo, et nous, et moi, je t'adore.
Je ne peux jamais détester je sais. Ce que je lui ai dit concernant tout ce que j'avais parlé et tout ça là. Ce n'était que le père. Je sais, Océane, je suis pas rancunière. Il n'y a même pas de comparaison. Même pas de combat. Si j'étais dans cette soirée, ce que j'ai programmé de faire, Dieu merci, je ne regrette même pas de parler dans cette soirée. Je ne regrette pas. Je suis trop fière même. Je suis contente. Le Seigneur t'a épargné. Mal pour Dieu éternel. Mal pour lui parce que les gens viennent pour les orphelins. Je pense que prochaine soirée, il va plus organiser avec elle. J'espère pour lui s'il veut avancer. Voilà ce que j'ai dit. Merci beaucoup, Océane, pour ton intervention. Merci beaucoup. J'espère que ce que tu as dit, ça va attirer l'attention de beaucoup de personnes et puis ils seront conscients de ces valeurs. Ne jouez pas avec elle, hein. Ce que j'ai dit, elle a quelque chose sur elle. On doit l'aider à se débarrasser de ses poids. Sinon, ça va être trop tard. Non. Ah, ouais. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Merci. Bonne soirée. En tout cas, voilà, alors une sœur africaine qui était amie avec elle, hein, du jour au lendemain, comme ça, elle a filmé les pieds de la dame. La dame l'invite au restaurant, quand on va manger quelque chose. Et voilà, pendant que la dame était discrète, elle a filmé ses pieds, parce que c'était pour la tenue plus tard avec que je te fais du chantage. Voilà. Administrateur, s'il te plaît, que ça soit qui, je sais pas qui est derrière, est-ce que tu peux bloquer les mauvaises personnes? Sandra Mélanine. Oh, ma Sandra, elle est là. Comment tu vas, ma fille? Oh là là, la chupinette, tata Lolo. Là, voilà, la plus belle centre. Voilà, c'était pour dire aux Camerounais que soyez conscients. Ça, c'est pas une... Allô? 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 Oui, bonjour. Oui, bonjour, je suis en direct. Oui, vous êtes en direct, on vous écoute. D'accord, ok. Lolo, je vais te dire un truc. Hein. Oui. Étagère. Étagère avec Flo. J'étais sûre, hein, avec numéro masqué. Personne t'a entendu, ma chérie, voilà. Je n'exagère pas, c'est parce que vous êtes bête. Comme dit souvent le monsieur là, vous êtes bête, vous ne voulez pas comprendre. Parce que vous êtes fanatique. Peut-être parfois d'autres sont tribalistes parce que c'est votre soeur Chan. Vous ne voulez pas dire les vérités. Tu peux pas venir m'appeler pour me dire que je suis bête. C'est toi qui es bête parce que tu supportes la bêtise, ok? Si tu as envie de me dire, appelle avec ton numéro, je t'identifie. Tu m'appelles par un numéro masqué. Parce que celui qui appelle un numéro masqué, c'est là. Je vais mettre tout mon téléphone à l'oreille, je vais écouter ce que tu as dit. Et si tu dis une bêtise, je te raccroche. Parce que vous n'avez pas les vérités. Voilà, c'est un appel qui vient de loin. Allô? C'est un appel qui vient de loin. Donc, c'est pour vous dire que le poteau de Dieu éternel, ça va servir de leçon à beaucoup de promoteurs de soirées. Faites venir des bons artistes. Quand vous dites que vous faites la promotion de la culture camerounaise, ce n'est pas avec la saleté. Ce n'est pas avec la saleté. La culture ne s'accompagne pas avec la saleté. La culture, c'est-à-dire que c'est la jeunesse qui regarde ça. C'est la jeunesse qui écoute. C'est la jeunesse qui danse. Donc, quand vous prenez la culture camerounaise, vous mélangez ça avec la poubelle, ça va tout donner ce fiasco-là. Parce que quand on dit la culture, c'est quelque chose qui représente un pays. Et les femmes, comme cela, ne représentent pas le pays. Au contraire, elles salissent. Allô? Ben, attends, allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, c'est Tata Lolo. Oui. Oui, ma chérie. Est-ce que tu peux baisser ton... Oui, est-ce que tu peux baisser ton téléphone, l'autre poste récepteur, là, s'il te plaît, parce que ça va en même temps. D'accord, ok. Ouais. Oui, c'est bon, on t'entend. Oui, oui. On t'écoute. Oui. Mmh. Oui, je voulais dire que je salue d'abord tous les Lolomaniens. Merci beaucoup. Les Sportless, les Café. Merci. Maman Perté, voilà. C'est la même donc, famille. Tu es très très belle, hein? Merci. Tu es très belle. Tu sais même pas qui t'appelle, mais je te dis, tu es très belle. Merci beaucoup, ma chérie. C'est voilà, gentil. Reste éloquente, reste telle que tu es une femme classe, tu ne forces rien. Mmh. On sent que tu as eu à vivre ton bonheur dans ta vie. Donc, tu n'es même pas complexée. Ah, bien voilà. Sûr. Voilà. Flo est complexée. Mmh. Maman Flo est complexée. Flo est jalouse. Ah, oui. La jalousie d'un chat. Maman, la femme là est jalouse jusqu'à... Elle peut tuer. On ne sait même plus
plus comment donner le nom. Ça fait que quand tu regardes même son entourage, maman, la grosse, grosse vache, alors là, c'est comme si tous les misunga qu'elle prépare, c'est comme si, c'est-à-dire que ça rentre même déjà dans le sang. Elle ne ressemble qu'au misunga. Parce que quand tu vois le misunga est attaché, 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 moche comme si c'était autre chose. Il y a même dans la team là que vraiment, quand tu vois la team, tu sens que non. Voilà les femmes. Regarde la team de compresseur. Regarde tes gens, ce n'est que la classe. Ah oui, hein. Vraiment, plaider même le sort de Dieu éternel, il a cherché. Il lui a cherché. Il a trouvé. C'est tout. Parce que c'est des gens qui sont tellement. Pour l'instant, ils sont dans une bouteille fermée. Ah oui. Donc, vous allez prêcher dans le désert. Vous allez prêcher, c'est vous qui allez parler, c'est vous qui allez entendre. C'est des gens bouchés. Elle a fait quoi? Parce que c'est elle qui est la première à dire que tu as fait quoi? On a vu. Elle a fait même quoi? Elle a fait le tchukin, tu en as vu. Mais parlons même terre à terre. Qu'est-ce que cette fille a fait? Qu'est-ce que cette femme a fait? Moi, je suis son aîné. Franchement, il n'y a pas photo. Regarde son visage. Avec les poches dans les yeux comme une sorcière, comme quelqu'un qui est là la nuit. Elle ne dort même pas. Elle fait semblant. Quand elle arrive le matin, en journée, là, elle fait aussi du genre, bon, je dors. Je ne sais même pas ce qui se passe dans la toile. Tout le monde sur la toile, jalouse plus que tout. Quand elle dit qu'elle classe les gens qu'elle jalouse. Ah oui, elle jalouse. Elle invente les choses. Si elle ne se tâte pas, cette femme va mourir les yeux ouverts. Vous allez entendre ici dehors. On ne souhaite à personne la mort, mais vous allez entendre. Parce que si c'est soi-disant ça, il fallait même voir les gardes, les petits qui étaient même. Elle ressemblait à quoi? Ça ressemblait à rien. Les habits sont. C'est-à-dire que les habits sont finis. Maman, parie que les stars partent de partout pour arriver à. Les habits sont finis. C'est quel genre d'habillement? Ah ben non, elle est là pour effrayer la diaspora. Les mais Camerounais, c'est la les vrais Parisiens ne sont même plus à Paris. Hein. Les vrais Parisiens sont partis en province. Ben non, hein. Les vrais Parisiens sont plus là. Hein. C'est, mais aujourd'hui, ce qui reste là maintenant, c'est les Parisiens qui sont arrivés hier. Là, c'est qui sont arrivés hier. Vous pouvez aussi entendre qu'ils sont à Paris. Ah oui, quand moi je suis arrivé à Paris, les filles que j'ai vues à Paris, là, je ne les vois plus. Hein. C'est des filles même que moi j'ai. Ah oui, des filles qui s'habillent. Non, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Celle-là pourrait même parler devant qui? On va pas se mentir. On va pas se mentir. Même dans l'habillement, quand tu vois la veuve de Bob Marley, tu vois, il y a la différence. Tu comprends? Tu sens que c'est une gars qui a vécu. Maman, la veuve de Bob Marley s'habille quand même bien. La veuve de Bob Marley, ce n'est pas alors qu'on dit que la team est neuse. On dit les choses telles qu'elles sont. La veuve de Bob Marley, c'est une femme qui est classe. Ouais, les conflits qu'on a là, que ma chère m'a fait suivre. Pour l'habillement, elle était la seule qui a quand même fait quelque chose. Hein. Celle-là n'a même pas de problème. Elle a dit pour elle vraiment, quand on parle, vraiment, je ne voudrais même pas, parce qu'elle, c'est une femme classe. Tu sens que, parce qu'on dit que les femmes de blanc, ça n'a même rien à voir. Tu sens que c'est une femme qui a fait sa vie, qui a vécu. Elle n'est même pas jalouse. Elle fait sa vie. Elle est obligée seulement maintenant, elle fait même sa blanc. Bob Marley n'aime même pas Flore. Non, elle n'aime pas. Elle fait semblant. C'est que c'est une femme qui est tellement diplomate. Ce qui sort de la bouche, c'est pas ce qui est dans le corps. Hein. Cette femme, elle voit loin. Du camé, partage mon direct, mon ami. Montre-moi, Dieu, là, que tu m'aimes. Que tu es amoureux de moi. Tu dis, maman Lolo. J'ai pas la du camé. Ah. Il ne partage pas mon direct. Du camé, même là, il connaît ton jeu qu'il est en train de jouer là. Du camé, mais là, te piche. C'est juste parce que tous ces gens-là sont à la. Ils croient que c'est Flo qui va leur donner la notoriété. Tu as déjà pris Facebook, maman. C'est juste que pour l'instant, ils sont en train de chercher ce qu'ils vont faire pour te couler jusqu'à. Ils ne voient pas. Reste chez toi. Tu as une très belle maison. Merci beaucoup, ma chérie. Classe. Tu crois qu'une vraie femme, c'est celle qui fait les soirées? La vie. Tu crois qu'une vraie femme africaine, c'est une femme qui va de soirée en soirée? Une vraie femme africaine, c'est celle qui se fait rare. Ah oui, c'est celle qui se fait rare. C'est celle qui fait, on cherche mon dit que mais.
Est-ce qu'elle va être dans la soirée? Est-ce qu'elle ne va pas être dans la soirée? Ah, le jour où tu vas dans la soirée, c'est même le jour qu'on ne sait même pas qu'elle sera dans la soirée. Ça fait une surprise et c'est ça la classe. Ah oui, ah oui, ah oui. Ce n'est pas la vulgarité. Ne copie pas, les parasites. Les parasites, c'est les parvenus. C'est les gens qui ne savaient même pas un jour qu'ils allaient être comme ça. Parce que Flo qui a connu la vie, ne tremble pas comme ça, la maman. Sa femme la tremble, c'est comme si un jour elle est. C'est-à-dire, à un moment donné, même si la vie te surprend, ressaisis-toi. Voilà Bayan qu'elle a voulu mettre, qu'elle a voulu mettre dans le WC, la femme de Tui. Elle a fui, elle a fui. Joséphine Bayan, c'est la classe, elle ne peut pas. Ouais, elle ne pouvait pas venir. Elle devait d'abord monter l'exemple. Il devait avoir du monde, du monde. Ça devait être une soirée fête, mais quand même, la soirée était vide. Oui. Une soirée qui a commencé depuis, normalement ça devait être, même si cette femme revient, on a tellement du respect avec cette femme que, tu vois, voilà notre team, voilà la team de TKC, voilà la team de Lolo, nous on parle ce qui est vrai, ah, oui. On n'est pas là pour tirer, parce qu'on est, on est aveugle, nous ne sommes pas aveugles, hein. Eux ils prêchent leur mafou là-bas, et sorcière mafou, nous disons ce qui est vrai. Ah oui. Quand on a épargné là-bas, Elisabeth, moi je n'aime même pas l'appeler ces histoires-là. On a épargné Elisabeth, Joséphine Bayan, la classe, elle n'est pas venue. J'ai bien dit que non, une vraie femme se reconnaît, donne sa place. Et elle s'est encore donné une place. Donc, pour couper court, maman. Maman, entends-nous une chanson. Elle a tapé poteau. Elle a tapé poteau. Le poteau. Maman va danser le poteau là jusqu'à demain. Oui. Le goût, le foleur de ça, maman. Le tapsi banane de ça. Tu es d'où, ma chérie? Tu es de quel village? Tu es d'où, ma chérie? Tu es Bamleke. Maman, quand tu parles, je pense seulement à moi. Je suis mélangée, maman, je suis camerounaise. On dit que le congrès de ça, la banane malassée de ça, le tafou de ça, maman, le coq de ça, le mbongo de ça. Le mbongo de macharon avec le macabo rouge. Là. Le macabo, le mpele, c'est le mpele. Le mpele. Massa. Une seule Camerounaise, une seule femme. Bipolaire, comme elle est bipolaire. Tout ce qui est dans la merde sur elle, quand elle vient de faire son direct là, ils vont encore aller acheter les vues pour venir faire des tadis comme venir manger dans la population. Les Camerounais, c'est des intellectuels, hein. Ouais. Les Camerounais, c'est des. C'est-à-dire, elle allume la galerie, mais elle, les gens sont déjà fatigués d'elle. Les gens sont fatigués d'elle parce qu'une grosse vache comme ça, elle n'a rien dans la tête. Tout ce qu'elle peut montrer à la population, c'est quoi? Le sexe, les gouttes, ceci, non. Il faut arrêter. C'est devenu vulgaire. On ne veut plus ça. On ne veut plus ça, on ne veut plus ça. Ma chérie. On ne veut plus ça, c'était passé. Dis donc, qu'elle change. La petite Mélanie, la classe, est venue lui dire que mets-toi de côté, maman. Pardon, passe. Je pensais que j'avais à voir, c'est-à-dire que j'avais quelqu'un de. Cette fille ne sait même pas. Elle ne sait pas. L'escroquerie de Jacques. Ils signalent, ils sont en train de signaler. Parle, maman. Envoie les cœurs. Envoie les cœurs, pardon, c'est gratuit. Envoie les cœurs, ils sont en train de signaler. Envoie les cœurs. Tu sais qu'en même temps, je ne peux pas envoyer les cœurs. Je peux seulement être. Je peux seulement appeler maman, tata Lolo. Je ne peux pas envoyer les cœurs, sinon ça va couper. J'ai dit à ceux qui sont connectés là d'envoyer les cœurs, sinon ils vont couper. Ça envoie beaucoup de cœurs. Ouais, c'est ça, gratuit. Ça il faut même voir les teinteurs. Maman, les deux teinteurs, même là. Hé, parle pas. Le moustique qui était. C'est quoi qu'il a mis sur le visage, non, maman? Oh là 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 là, c'était la poudre. Il partait où comme ça, papa? Il partait où? Les deux têtes là. Ils sont en train de signaler le direct là, maman. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, envoyez les cœurs. Hey, ouais. Le moustique, cette
s'appelle le moustique cherchait là où aller déposer pour aller mettre la maladie pour aller mettre le paluche. Il partait où? J'ai dit que je ne pouvais pas prononcer le nom. Il partait où? Regarde comment ils étaient comme les enfants perdus. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Envoyez beaucoup de cœurs. C'est gratuit. Ils étaient perdus. T'es clair, envoie les cœurs. Envoie les cœurs, t'es clair. Envoie les cœurs. Oui, les enfants de Tui, ils n'ont pas de parents. La fille, si ils n'ont pas de parents. Tu es gueulade, maman. Quelle éducation comme ça, là? On les a ramassés ou non? Non. La qualité, là. Ma chérie. Vous suivez qui? On est tous venus ici se chercher, mais vous vous accrochez sur une femme comme ça qui n'a même pas eu une éducation. Cette femme n'a pas eu une éducation. Ok, ma chérie, il y a d'autres personnes qui veulent appeler aussi. Maman, je vais faire comment, tata Lolo, je t'adore. Moi aussi, bisous. Et comme on ne veut que les gens qui t'adorent, je laisse aussi la place okay, d'accord. À quelqu'un qui va s'exprimer par rapport à Poto. Voilà, t'as jusqu'à la gare. Gare, ton pied, mon pied. Ouais, l'ongle et le doigt. En tout cas, merci bye d'avoir. Bye, chérie. Bye, bisous à toi. Maman propre classe. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Ben voilà. J'espère que ce direct-ci va essayer de. Comment dire va alerter beaucoup de personnes. Voilà. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, est-ce que je veux parler à Tata Lolo? Oui, c'est Tata Lolo qui est en ligne, ma chérie. Oui, je fais genre, je parle avec une grosse voix parce que, écoute, tu ne peux pas en même temps suivre tes directs et tout de suite enregistrer les voix des gens qui t'appellent. Tu as eu? Voilà. Ma chérie, tu n'as rien à dire. Moi, c'est celui qui parle bien qui peut venir. C'est toi qui parles, tu peux aller dans les soirées. Si tu appelles pour insulter les gens, tu m'as insulté, moi, je ne t'écoute pas. Allô? Bonsoir, Tata Lolo. Oui, bonsoir, ma chérie. Photo. C'est le photo de ça. C'est le photo que tu veux voir. C'est la robe d'Isaoua que tu veux voir. C'est Kambi Brian que tu veux voir. C'est Tousson que tu veux voir. Ouais, tata. C'est la chèvre de la du Canada que tu veux voir, Jim Tête. Ouais, c'est... Je suis même dépassée que les grands-mères comme ça. Maman, laissez-nous la tête aussi, non. Laissez-nous être aussi star du Vichel, non. Les vieilles-mères. Je veux être là-bas, je suis petite comme ça, maman. Tu nous souilles. Insulte de la vie. Tu nous souilles. Les misunga de ça. Les misunga de ça. Oh, envoie, c'est ma. Pas insulter, c'est ma bêtise. Insulter, c'est ma bêtise. On met là, on met pas les langues. On met les langues. On met les langues. Une ronde, une bêtise, une vraie femme. Une vraie femme qui ne peut pas encourager la prostitution. Les bordels. Les grands, mes bordels. Parle, c'est ma waka. Dis, c'est ma waka. Il peut me signaler, c'est ma waka. Les waka, tata Lolo, les waka. Non, nous, on est classe, je n'insulte plus. Je n'insulte plus les jus comme ça, là. Vraiment, ma mère, je suis fan de toi. Merci. Je suis fan. Merci. Tu as enlevé la racaille, tu fais tout grâce à toi. Tu as mis le mongol là, avec tes deux pieds gauche là. Voleur de cartes bancaires. Tu les as chassés. Mm-hmm. Vraiment. Amen. Poto. Merci beaucoup, ma chérie. Elle a tapé poto. Elle a tapé poto. Ma chérie, quand tu parles d'enregistrement, moi, je n'enregistre pas. Hein. Les voices que je les ai, c'est les voices que la concernée m'a envoyé. Je n'enregistre pas. Vous oubliez que vous enregistrez les gens. Ce n'est pas vous qui avez à faire écouter la voix d'un artiste comme Longuet, un artiste renommé au Cameroun, celui qui fait la fierté du Cameroun dans tous les quatre tout coins du monde. Vous ne l'avez pas enregistré? Tu veux me parler à qui? Moi, je n'ai pas enregistré quelqu'un. C'est les voices qu'on m'a envoyé. J'ai fait écouter. D'accord? Si ça te choque, tu meurs. Ok? Tu meurs. C'est qui va appeler. Donc, nous sommes là seulement pour sensibiliser, pour alerter les Camerounais, les Africains qui nous suivent sur la toile. Qu'à un moment, il faut arrêter.
Nous sommes là. Moi, j'ai de la peine pour Dieu tout seul, éternel. Hein. Mais d'un côté aussi, je me réjouis de ça. Je m'en fous. Si tu appelles, tu vas là. Allô? Bonjour, Tata Lolo. Oui, bonjour, ma chérie. Comment tu vas? Je suis bien dans mon direct. Oui, tu es bien dans mon direct. Ok, c'est très ravissant, ma Tata Lolo. Merci. C'est la première beaucoup. Fois que j'appelle à ton direct. Mm-hmm. Très, très ravissant. Je fais partie d'une fille qui a participé à la soirée hier. Oui, oui, ok. Je voulais témoigner. Donc, témoigne-nous ce qui s'est passé là-bas, ma chérie. Dis-nous tout. Ma Tata Lolo, il fallait être là pour voir les vieilles rombières qu'on a ramassées pour amener dans la soirée. Les gens que je... Mon Dieu, c'est pas possible. Les gens portaient les robes, on dirait, les rideaux qu'on a pris pour nettoyer le sol avec. Ils se prennent pour des stars. L'autre là qu'on appelle Misunga Pourri, le caleçon qu'elle avait porté, on dirait la bâche de funérailles. Seigneur Jésus, elle sentait le Misunga à distance. L'autre mouton de chèvre qu'on parle Canada, et son mari pied plat. Il fallait les voir. La honte de ça, le goût de ça. Yeah. J'ai eu honte à leur place. J'ai eu honte à leur place. Ouais, les Camerounais dans la bouche. Tu dis que quoi? Comme la bâche de quoi? De funérailles, Tata Lolo, la bâche de funérailles, gros comme ça, une vieille rombière des temps colons. Aucun respect, aucune classe. Dieu. Franchement, quand on parle de classe, Tata Lolo, tu es. Je te donne un coup de chapeau. Même si tu es assise là comme ça, c'est la classe. Pas les pans papés qu'on a ramassés, je te dis la salle santé, j'étais là, ce n'est pas qu'on m'a dit, j'étais là, assise là. J'ai même honte de te. Tu vois, c'est là qu'on appelle 44 grammes. Il est malé faire le make-up jusqu'à mettre le fond de teint sur le visage. Un grasseux au père, avec la nuque qui coule depuis. Le beau d'ailleurs, avec sa femme Shintok, il fallait voir les deux pieds gauches. On dit souvent qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Une chienne qu'on a ramassée, on a mis au mariage pour enlever la honte sur elle. Ils se prennent aussi pour des stars. Star mon œil, le goût de ça. Le goût de ça. Yeah, je ne regrette pas. Je regarde la soirée, la tapée poteau. Poteau gang, comme on dit, la poteau gang. Les odeurs de ça, la honte de ça, le mal habillement de ça. Les robes qu'on achète à Château Rouge, 10 euros, 15 euros. On se prend pour une star. Deux pieds gauche. Elle ne peut pas aussi se mettre sexy comme les vrais stars. Hé, maman, parle, tu veux boire de l'eau. Parle, parle. Bois l'eau, Tata Lolo, je suis là. Bois l'eau, je vais laver un à un parmi eux là. Une chienne pourriture qui se prête pour une mafou. Mafou de quoi? Le dansant est Fanta Coca. Les pieds brûlés, le visage jaune, les fesses noires. Franchement. Même la chirurgie qu'elle a faite, tu le sais, voilà les seins qu'il lâche déjà. Il faut qu'elle mette le litier pour aller refaire les seins. La honte de ça. La honte de ça. Une chienne. Une ouépenga, comme ma tata Pépé dit souvent, une ouépenga, une idiote de feu. Et Dieu, les Camerounais à la bouche. Une chienne comme ça, elle vient s'asseoir, je suis, elle veut prendre Paris, qu'elle est qui, elle est son doux, qui l'a créé, c'est l'enfant de qui, voilà sa mère qu'elle a abandonné là-bas au Cameroun. Elle crie parce qu'elle est française, elle ne peut pas amener sa mère. Elle ne peut pas mettre toute la sorcellerie que ta mère a fait pour qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui, même la récompense, elle ne peut pas. Sa mère est fatiguée de faire la sorcellerie. Elle va maintenant se ravitailler au Bénin, au Togo pour faire sa sorcellerie. Une chienne. Hey. Une chienne, elle a les fesses qui puent. Les fesses qui puent. Hey. Je me dis, oh, ici, là, cette chienne-là m'a dragué, moi. Hey. M'a dragué, mais tellement qu'elle sent. Je ne sais pas, niaque le genre de femme-là, elle pue. Elle pue. Moi, je niaque les lesbiennes de classe. Elle a dit, une idiote, une déchienne. Même si elle me donne tout ce qu'elle a, je ne peux pas la niaque parce que c'est fesse pour le cul. Avec sa bande de pédés mal classés, là. C'est une notion, on l'appelle comment, là, où c'est Mignanus. Aïe. Il y a son visage, le genre, quand il a commencé, ça a déjà raté de ne pas aller là-bas se cacher. Il faut aussi qu'il vienne s'afficher. Avec son pic tordu. Tata Lolo, comment on a eu que ces 3 minutes? Je vais laisser. Merci, ma chérie. Pardon, merci pour le fou rire. Bisous à toi, ma Tata Lolo. Hey, les Camerounais. Boukoukoulou. Aïe, maman, le goût de ça. Hey, Lolo, la paix, vois tes collègues ici, maman. Le coche de ça. Ah, ça. Il y a quelqu'un qui m'appelle de la Arabie Saoudite. Là, tu peux rappeler, chérie. Tu as vu? Ce sont les Camerounaises qui appellent, hein. Ce sont pas les. Ce sont les Africaines, hein, qui appellent pour montrer. Pour te dire qu'elles sont pas d'accord avec ce que tu fais.
Allô? Allô, je peux parler à Tata Lolo? Oui, ma chérie, je t'écoute, ma chérie. Mais là, c'est comme si je suis pas en ligne, là. Non, tu es en ligne. Il faut juste baisser le téléphone qui est auprès de toi. Baisse le téléphone. Ok. Hey, maman, le goût de ça. Le poteau de ça. Le poteau de ça, les écambis bouillants de ça. Maman, les tortues ninja de ça. Maman, Tata Lolo, c'est un bout de bras, Tata, qui parle. Maman, ça le sentait. Tata Lolo, ma fille, tu as vu Mimi Anus? Maman, tu as vu la couleur des pieds, Tata de Lolo? Fao, de Fao, le de Fao. Le père grillé. J'ai dit que le père grillé, Tata Lolo, assez. La honte de ça. Massa. Bien fait pour ma tante. Mm-hmm. On demande de prendre les gens neutres et pas prendre la honte de la République. Ah, une femme qui insultait tout Paris. Ah, quel oui. Jet set de Paris était là-bas? Personne. La honte de ça. Ah oui. Celle-là qui apporte le Missouri à une chanteuse mm-hmm. avec le corps plein de plis. Tata Lolo, tu es une dolette. Maman, tu comprends? Non, maman, vante-toi. Je me vante. Vante-toi, Tata Je suis Lolo. Belle. Tu es une belle femme. Oui, la fille tombe. Tu es une belle femme. Ah oui, soutien total à toi, Tata Merci Lolo. Beaucoup, je ne soutiens que piant jusqu'à la gare. Bisous, bisous, Tata Lolo. Bisous, mon cœur, bisous, maman, bisous. Hé, hey, les filles, si, maman. Allez, Gomi. Ah oui, il est 17h. Voilà. C'est pas des clashs, hein. C'est juste pour dire à Dieu éternel, Dieu poteau gang, que tu as eu ce que tu as semé. Voilà, quand on récolte, quand on sème, on récolte. Voilà, c'est ça. Voilà, parce que vous vous dites que moi, je peux faire le buzz là. Hein. C'est pas vous signaler mon direct. Je n'ai pas appelé même 3000 personnes là si je veux. C'est trop facile à faire. Je n'ai pas besoin de ça. Juste pour te faire comprendre que les vues là, c'est pas sur le terrain. Hein. Ça, c'est du virtuel. Parce qu'il y a des gens qui s'ennuient chez eux. On anime la galerie. Hein. Quand quelqu'un n'a rien à faire, il regarde son téléphone, il voit un direct. Voilà, il vient, il se regarde. Il se rince les yeux. Et puis, s'il y a quelque chose qui fait rire, il va rire. Ça ne veut pas dire que les vues là, ça attire du monde dans une soirée ou peut-être dans un événement. Non, ou peut-être ça fait vendre. Cette fille ne fait pas vendre. Elle ment. Quand elle dit qu'elle fait vendre, elle a fait vendre qui? Elle était incapable de faire la promo de Radia Mélanine. Moi, je suis capable de venir témoigner pour Radia Mélanine. Hein. Oui, la petite a raison. Allô? 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 Oh là. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Tata Lolo? Oui, c'est Tata Lolo, ma chérie. Bonsoir, Tata Lolo. Bonsoir. Ouais, ma tata Lolo, je t'appelais, je vous ai dit que t'es trop belle. Mais. T'es trop belle, laisse le porc là, mon frère, laisse-moi le porc là. Je mange même pas le porc, hein. C'est qui est sûr, je mange pas le porc. Non, ça te voit même sur ton corps, même la peau. Quand tu vois la peau, tu sens que non. Tu sens que ça, c'est les femmes, ça, c'est les femmes dignes qui ne touchent pas n'importe quoi, tata Lolo. Laisse tout ça, ne regarde pas tout ça, tu es trop belle. Mm-hmm, je sais. Je remercie même que tu connais. Je suis Bassa et je suis fan de toi jusqu'à la gare. Merci beaucoup, ma chérie. Plus que cette tête d'affaire, tu l'as plus que le poteau là. Laisse le poteau. Bien, je sais. Bisous, ma chérie. Laisse-moi le chancouna là, mon frère. J'ai ta position. Tu es trop belle. En tout cas, moi, je t'appelais juste pour t'apprécier et encourager tout ce que tu fais. Merci. Moi, j'apprécie. Beaucoup. C'est gentil, maman. C'est gentil. Ok. Bisous. Au revoir, tata Lolo. Au revoir. Allô? Oh là, attends d'abord, attends. Oh, je suis sûr que c'est Lolo La Paix qui appelle. Voilà, c'est pour dire. Ouais. Allô? 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 Essaie de baisser le poste récepteur qui est près de toi, s'il te plaît. Allô? Allô? Allô, tata? Oui, ma chérie. Allô? Oui, vas-y, je t'écoute, mon bébé. Comment tu vas? Tu es belle, hein? Oui, tata. Merci. Ah, tata Lolo? Oui. Oh, laissez la petite la parler, l'appel est sur WhatsApp. Oui, vas-y, parle, mon bébé, on t'écoute. Oh, laissez la petite la parler.
prétend. Je vous love grave. Qu'on peut aller au Cameroun, tu peux la voir au Cameroun. Et, oui, je vais la voir, il n'y a pas de souci, mais je dis... Oh, laissez la petite la parler, oh. Oh, le réseau dérange de non. Mélanus, là. Oui, dis-moi. Il ne faut pas le gérer. C'est quelqu'un qui a un équilibre, vraiment. Oui, il a un équilibre perturbé, tu vois, un peu. c'est quelqu'un qui a été... Oh, pourquoi vous ne voulez pas laisser la petite la parler? Allô? Oui, ma chérie. Est-ce que là, tu m'entends mieux? Je t'entends très bien, oui. Je suis à cœur ouvert? Oui, tu es sur à cœur ouvert. Voilà. Est-ce que je peux pas, parce que je suis Betty, et comme on dit que les Camerounais aiment bien insister, bon, moi, je veux parler en langue pour que eux-mêmes, ils entendent ce que je veux dire. Vas-y, et maman. Maman, mais Sunga, là, il est caronana. Maman, tu as fini avec ma soeur. Allô? 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 Lolo la paix? Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour, ma chérie. Oui, Tata Lolo, je te suis depuis un certain temps. Oui. Je t'apprécie beaucoup parce que en toi, on voit une grande âme, la grandeur et la réalité, la vérité, en fait. Mmh. Alors, si j'ai pris l'initiative de t'appeler aujourd'hui, c'est parce que moi, je tout simplement, c'est pour te dire
continue dans ce que tu fais et ne te mélange pas avec n'importe quoi. Ça ne sert à rien. L'exemple de l'Afrique, le Cameroun, moi je suis camerounaise. Et puis ça fait de la peine de voir des mamans qui viennent sur la toile et disent n'importe quoi. Et c'est triste déjà, parce que je pense que le Cameroun, déjà, c'est un grand pays que les gens respectaient et tout. Aujourd'hui, si on voit peut-être nos soeurs, nos mamans, nos grandes soeurs qui viennent raconter du n'importe quoi et pour ne pas éduquer leurs petites soeurs, c'est tellement triste, quoi. Non, mais ma chérie, c'est la raison pour laquelle nous sommes là pour combattre, hein, parce que nous sommes, on n'a pas envie que. Mais si on s'il y a personne qui se lève pour dire quelque chose, ça va s'empirer de jour en jour. Et il vaut moins qu'il y ait quelqu'un pour dire non à ça. Le problème, c'est que si je me suis retrouvée sur la toile, c'est parce que je venais suivre la chancelière. Parce qu'elle, elle a vu ça. Si ça a pris cette ampleur là, c'est parce qu'au début, les gens ont simplifié. Les gens se sont dit que non, c'était la blague, ça devait passer, c'était juste pour un temps. Mais au fur et à mesure, ça me faisait que ça a grandi, au point où on insultait les familles, on insultait les enfants, on insultait les mamans. Les gens me disent aujourd'hui que Lolo, on n'insulte pas une mère. Oui, je le sais qu'on n'insulte pas une maman. Une maman, c'est comme ton Dieu sur terre. Mais du moment où tu es dans une team, où tu es dans un, tu es ami avec des personnes qui insultent les mères et enfants tous les jours, mais ça veut dire que tu acceptes ce que la personne fait. Donc si ça arrive, alors jusque moi, dans ma colère, j'ai dit que bon voilà, elles sont là, elles acceptent ce que l'autre fait. Moi aussi, je vais essayer de faire comme l'autre pour voir ce que ça peut donner. Et on a vu comment tout le monde s'est déchaîné, les gens ont fait des vidéos, les gens ont dit on n'insulte pas les mamans. Mais vous étiez où au début quand on insultait les mamans des gens? La maman et la femme qui a été le plus insultée sur la toile, tout le monde a vécu ça, c'est la mère de compresseur. Donc elle, c'est pas une mère. Moi, la mienne est même déjà décédée, mais pour celle qui est vivante, qui lit, qui suit tout ça, est-ce que vous avez pensé à sa douleur? Est-ce que vous avez pensé à ses peines? Est-ce qu'elle a envoyé sa fille de venir sur Facebook? Sa fille n'est pas venue sur Facebook dans des mauvaises intentions. Elle est venue pour combattre, pour se battre, pour sauvegarder l'image de la femme africaine, pour sauvegarder l'image de la femme camerounaise. Elle est venue dire non à ce que l'autre faisait. Et alors, mais si aujourd'hui, s'il a fallu qu'on insulte sa mère pour ça, et nous autres sommes venus pour l'accompagner dans son combat, et que nous on subit aussi la même chose, au point de prendre ma nudité, de mettre sur la toile, au point d'insulter le corps de ma mère qui est dans la tombe, tu crois que ça nous fait quoi? Ça nous fait aussi mal. Au lieu d'en faire des coups qui vont venir me taper, ma chérie, nous on va continuer le combat. Si ça ne s'arrête pas, il faut que ça s'arrête. Écoute, ma chérie. Maman, il y a un appel, il y a quelqu'un qui m'appelle de très loin là. Je vais te répondre après. Tata Lolo, c'est des personnes qui ne savent même pas, ils ont vendu leur âme au diable. Je sais, ma chérie, je sais, je suis consciente de ça. S'il te plaît, j'ai un appel très important de loin, s'il te plaît, excuse-moi. D'accord. Allô? Allô? Oui, allô, Tata Lolo, comment? Oui, bonsoir Lolo la paix. Envoie les cœurs pour Lolo la paix, envoie les cœurs. Envoie les cœurs pour Lolo la paix, il est là. Ah, la soirée, les stars. T'as dit quoi, non, Tata Lolo? Oui. Tu es en direct, tu es à cœur ouvert là, on t'écoute. J'ai vu la tête du mari de Amma, c'est comme pour la Oumba. Le père a en tête. Amma, c'est la tête là qui t'embrasse. Maman, toi, tu es vraiment la chair. Tu es vraiment la chair. Tu as montré encore une fois que tu es vraiment la chair. Tu es l'aide avec les anciens rouges à lèvres que tu as mis le temps d'aller. Tu aussi comprends que les femmes de rouge à lèvres, c'est les mettre le rouge à lèvres. Sale prostitue. Plus, regarde-moi ses yeux comme pour les lampadaires de la voiture. Une idiote comme ça, là. Tu veux me porter au caleçon, ta sale robe de merde, tout ça. C'est la sale robe, bien. Mais, comment tu parles sur ma bouche, ça dit que tu fasses ta bouche, idiote. Et le moment, moi, je comme je n'ai pas ça, canard. Maman. Tu comprends que les hommes portent la veste, tu peux aussi porter la veste avec les pieds du pigeon que tu as au sol. Ouais, les Camerounais, vous êtes mauvais. Je demande, est-ce que ça va marcher dans ta vie? Si il est tu es aussi là, avec Louave à côté de toi, tu dis que tu appelles Louave femme. Ma femme, couple de quoi? Regarde-moi ton œil de canard, un idiot, sale gros couleur de cartes bleues. Bandit, hypocrite, regarde-moi la tête des porcs, tête des tarots, comme avait dit. Comment la panthère? Regarde-moi quelqu'un, un intervenu de ton état. Tu parles même quoi? Je suis ma frère, mon frère. Allez, grand bateau, tu penses qu'il y a un grand bateau là-bas? Idiot de ton état,
sale profiteur comme ça là. Regardez-moi un gros gigolo, un bâtard. Le gigolo, le gigolo de champagne. Le gigolo de champagne. Profiteur, tu vas passer ta vie à profiter dans les soirées comme un ça. Un doc, papa, papa, un doc. Un doc, papa, un doc, mangolo, un doc, mangolo. Avec ton avant, ton casier, il y avait des femmes là. Elle prend le coup de l'esprit, avec ses anciens. L'enfant de qui est le bébé de qui est mon lolo la paix. T'envoies le cœur. Pardon, envoie le cœur. Oh, dis donc. Ça fait. Il demande, qu'est-ce qu'il a pas marché avec ta femme? Ta femme aussi compris qu'on porte le signal pas à la piscine. Avec elle aussi porté le sel à embrasser. Elle t'avait arrêté d'embrasser. Regarde-moi comment c'est fait. C'était comme pour le rétroviseur de la voiture. Elle avait les gros gros fesses comme ça là, mon frère. Et maman. Ça devient même, c'est quelle histoire? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Maman, je vais te dire. Allô? Oui, vas-y, on t'écoute, Lolo. Poto, ta mère vend les plantes à Bonabéry. Tu ne peux pas aller retirer ta pauvre mère dans les plantes à Bonabéry. Tu te permets de venir dire que tu as l'argent. Tu as quel genre d'argent, Poto? Ouais, Poto, tu as collecté l'argent des orphelins qu'on avait cotisé. Vous avez investi en bois. Vu que tu es allé caricatif pour les orphelins au Cameroun. Voilà ça que le bénéfice n'est même pas sorti. Tu vas faire comment contre ton vache folle, sale prostitute, avec ton cul qui a raté de route. Et le sale cul que les anciens pères de Daniel ont tout déviégé, poteau. Ouais, dis donc. Poteau, tu vas faire comment? Regarde-moi la tête de vache, poteau, tu arrives, tu vas voir, tu vas finir. Ça, c'est un message. On me dirait, mais tout ça. Eh, Poto, tu es. Mais, tu es. Donc, tu as commenté hier que. On a aussi mis ta part de musique du Dîme National comme elle a l'habitude. Avant aussi le DJ, là, le DJ qui était penché. Au lieu que la tête de quelqu'un regarde, tu vas quand même regarder par derrière. Il chante aussi. Où il venait même quoi, sur pour. Un machin là, un machin, il est même debout, même si tu ne sais même pas si c'est un nom. Parce qu'il sait où il est assis. Il est même un pygmée plus grand que lui. Tu passes aussi devant lui comme ça là, tu arrêtes aussi, t'as pas de flambant, tu marches avec. Eh mon frère, poto, tu as fait fort. Entends une chanson dans le lapin. Attends, j'ai pris le direct en cours. Oh, on peut même sortir une chanson. Même tapé poto, c'est même petit. Elle a tapé poto, elle a tapé poto. Elle a tapé poto. Poto, elle a tapé poto. Le poteau, le gros caleçon qu'elle avait mis comme la bâche du deuil, elle a tapé poteau. Elle a tapé poteau, avec les enfants qui étaient noirs comme le tout pourri à côté d'elle, elle a tapé poteau. Elle a tapé poteau avec les lèvres qui faisaient du chinois, elle a tapé poteau. Elle a tapé poteau avec le bosaïa des pieds gauchos, elle a tapé poteau. Elle a tapé poteau avec tout ça, Jacqueline, Dieu éternel, qui est le pigeon, il a tapé poteau. Celui qui dit que je ne connais ni le dernier mot, il a tapé poteau. C'est lui qui va accoucher dans 3 mois, elle a tapé poteau avec lui, oh. Tout ça, Jacqueline, oh. Il a tapé poteau. Tout ça, tapé poteau, tout en ça, Jacqueline. Tout ça, Jacqueline, Dieu éternel, ça a tapé poteau. Vous avez tapé poteau, vous tous. Et vous allez continuer toujours à taper poteau comme ça, là. Ça, c'est comme ça. Tu as dit que tu venais à Paris, tu venais à Paris. Tu crois que ce que tu fais à Lille, là, tu vas venir mettre à Paris. Ah. Tu es une idiote. Peut-être que tu ne connais pas que les gens de Paris, c'est les vrais hypocrites. On t'a montré le bien, le vrai. En tout cas, félicitations aux Parisiens. Félicitations aux Parisiens qui ont dit non. Merde. Non aux Gauche. En tout cas, je remercie et je félicite tous les gars Douala, les promoteurs Douala de Paris qui sont parlés là-bas. Je félicite toutes les promotrices de Paris. Vraiment, vous avez montré votre grandeur. Vous avez montré que vous êtes des personnes qui vous ne vous mélangez pas avec la poubelle, quoi. Je suis fier de vous. Et nous sommes là pour vous défendre. N'ayez pas peur qu'on va vous clasher. On vous clashe, nous on répond. Nous sommes là pour riposter. Donc, n'ayez pas peur. Alors, ne faites pas comme d'autres personnes là qui vont parce que elles veulent se faire voir ou peut-être veulent montrer qu'elles sont nitimes là, qu'elles sont pas, elles sont neutres. Alors que c'est des gens qui sont hypocrites. C'est des hypocrites parce que dans la vie, tu ne peux pas voir, tu peux pas aimer plusieurs personnes à la fois. Non, c'est comme ça. Il faut être vrai. Le blanc, c'est là où l'Européen nous dépasse. Quand l'Européen ne t'aime pas, il te dit que je ne t'aime pas.
Voilà, il fait pas semblant. Il fait pas semblant. Alors arrêtez votre hypocrisie là. Arrêtez ça. Si c'est pas compris, il est venu vous sauver ici. Là, cette fille là vous insultez nuit et jour. Nuit et jour. C'est compris qu'il est un peu venu sauver les Camerounaises de Paris là. Donc apprenez à remercier. Alors l'ingratitude n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous qui allez dire que l'autre dit que j'aime ce que tu fais dans Facebook. Tu aimes quoi qu'elle fait dans Facebook? Elle t'a payé un jour dans une. Elle y avait une de tes soirées. Arrêtez l'hypocrisie. Moi, j'aime pas les personnes hypocrites. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc arrêtez. Vous pas encourager quelqu'un qui nuit, qui détruit la société camerounaise comme ça là. On en a marre. À un moment, je félicite tous ceux qui sont parlés. Voilà, je m'en fous de ce que vous voulez penser. Allez dire que Lolo est jalouse. I don't care. Je m'en fous. Et perdu. Moi, je n'ai rien à foutre de ce qu'on peut dire de moi. Allez dire que Lolo est méchante, machin. Je suis pas méchante. Je dis tout ce qui est. Je dis juste la vérité. À un moment, il faut arrêter. Voilà, cette fille nous pourrit. Elle nous gonfle. Elle me sort de partout, cette fille. Ouf. J'ai même plus envie de la voir parce qu'elle ment comme elle respire. Demain, elle va au Château Rouge. Elle achète une robe de 2 euros. De 15 euros. Elle vient manquer la cité chez celle-là aussi qui veut se faire voir, qui cherchait la Starmania. Elle dit qu'elle est une grande coiffeuse. Tu es une grande coiffeuse, toi. Tu t'es regardé. Regarde ton habit que tu avais hier. Une grande coiffeuse. Quand on parle de coiffure, on parle d'esthétique. Quand on parle d'esthétique, on parle de vestimentaire. Ça va avec tout, hein. C'est la beauté en général. Donc, quand tu parles d'une femme qui coiffe, une coiffeuse doit bien s'habiller. Une coiffeuse doit bien se maquiller. Une coiffeuse doit bien se tenir. Ça va avec tout. C'est que c'est la beauté en général. Tu n'as rien de tout ça. T'es pas belle, tu sais pas te mettre, tu sais pas t'entretenir, tu bavardes comme une folle parce que tu cherches les racolas. Si tu coiffes bien, tu auras des clientes. Tu n'as pas besoin de venir insulter le l'autre, tu lances les mots. Tu t'es regardé. Quand je n'ai même pas envie d'appeler ton nom, tu t'es regardé. Je pleure le sort de l'homme qui monte sur toi. Je pleure le sort de l'homme qui monte sur toi. Ben, tu ne ressembles à rien. Tu es sale à vue d'œil. Tu portes le Cameroun, tu as fait sa robe de soirée. Tu t'es regardé. Quand on dit qu'une femme est belle, qu'on parle de beauté, même si c'est la beauté artificielle, tu n'as pas. La beauté naturelle, niette. Tu n'as rien de tout ça. Et tu veux venir parler de Lolo. Tu dis qu'on dit qu'on m'appelle pipi. Tu as vu mon intérieur. Tu veux que je te montre mes toilettes. Je suis sûr que si j'entre chez toi, j'ai dit que j'entre chez toi, j'aurais même pas envie de manger. Tu as vu mes toilettes où j'ai fait caca. Regarde mes toilettes. Mes toilettes sont même plus propres que toi. Tu ne ressembles à rien. Tu n'es pas. Tu as envie de parler, tu veux parler à Lolo, tu es malade ou quoi? Tu me lances les petits mots, on s'en fout. Tu ressembles à quoi? Tu ressembles à quoi? Tu as vu qu'on te regarde, tu fais la. Depuis que tu es en train de lécher le cul de cette merde là. Tu as combien de vues quand tu fais tes directs? Salon de coiffure de mon œil. Allez payer à Canal, tu vas vous faire les puissants de vos salons de coiffure. Tu coiffes quoi? Tu peux faire une perruque comme ça comme pour Elodie. Les femmes qui font les perruques au sous-quartier, même pas là, tu peux me parler. Regarde à quoi tu es ça? Va d'avoir rangé ta dentition. Quand on dit les arraches, toi même tu arraches clou. Tu as eu tes dents, tu en parles depuis, tu parles, là les miennes. Tu veux y parler, tu dis, aussi, elle est déjà quand ça fout des tatas. Regarde-toi. Les filles bassins, les filles bassins sont orgueilleuses. Elles sont classe. Regardez-moi le déchet des filles bassins qu'on a accouché au fin fond, au fin fond de Déa. Au fin fond. Parce que moi, je connais Déa. Hein. J'ai habité au camp sur les Déa. Je connais les filles bassins. Pas la qualité là. Elles se placent, elles m'ont fait. Maman, c'est la fabrication que tu cherches. Allez vendre, tu dis que j'ai vendu. Tu as acheté au Château Rouge. C'est 15 euros. Moi-même, j'ai pour moi. Et je vais porter, vous montrer ça. Idiot. Tu veux aussi dans les clashs. Quand on parle de trous, quand on parle de 4 lettres, toi-même, tu n'as pas ça. Qui ignore la peine que tu as le 4 lettres. Tu veux que tu clashes. Mais quand vous savez, quand vous avez vu, vous croyez qu'on a peur de vous. Hein? Je n'ai pas peur de vous. Hein? Le jour que je m'assois sur toi, tu dois confirmer que le gourmet est monté sur toi. Moi, je prends le temps et j'observe, je regarde. Quand tu me cherches depuis là, tu mourras. Je vais pas te donner rendez-vous. Tu vas pas t'attendre. Je vais bien t'insulter. Je vais t'insulter correctement, bien. Je vais te laver, te chier, je vais mettre le pain chargé à l'intérieur. Je vais te manger crute. Comme une idiote comme ça, dis donc. Quand pas, toi, tout pareil que tu as le 4 lettres. Je ne donne pas ton nom, mais tout pareil que tu as 4 lettres. Et tu connais les gars qui tu as sorti. Tu connais les gars qui t'ont binda. Les passoires comme ça là. Les femmes qui ne se respectent pas. Tu vas bien regarder. J'ai trompé parce que j'avais un seul homme en France. Vous avez compris. Un seul, il se reconnaît. J'ai même pas envie de prononcer son nom, il se reconnaît. Hein? Je suis pas une passoire, hein? Mon corps, quand tu vois la molette, mon corps là, c'est précieux. C'est avec les femmes qu'on ramasse dans les soirées, c'est dans les trucs qu'elles partent faire les racolages des jokes. Vous ne pas danger chez les hommes. Allez même vous inscrire dans les sites de rencontres pour aller chez vous, pas de gars là-bas. Tu as dit, on me cache qu'elle est détartée avant. Tu tentes, maman, je vais t'insulter propre. C'est que je n'ai pas encore touché Zakola, hein? Je n'ai pas encore touché Zakola. Je vais mettre le dossier des Akula. Vous devez récupérer ton dossier. Pour ton dossier, je connais ça bien. On m'a parlé de toi depuis. Hein. Ce n'est pas le on a dit que moi je vis dans Paris.
Donc le A1 de tous les Jacqueline là, je connais, on se connaît nous tous là. Donc il veut faire d'abord, il fait ta coiffure doucement. Ne cherche pas de faire voir, parce que tu n'es pas belle. La beauté, tu n'as pas. La carne, tu n'as rien. Je dis qu'il est artificiel comme naturel, tu es zéro. Tu as compris? Tu es zéro. Quand une femme est belle, là, si moi tu ris, mais tu n'as pas envie. Tes dents qui sont pourries dans la bouche. Va voir un dentiste. Tu viens de dire que les cils, jusqu'à tu es là, tu gesticules sur la toile. Avec la robe qui traîne de partout, on dit je sais pas quoi. Tu t'es regardé, toi. Quand on appelle l'autre, le monde se lève matin pour parler de Lolo. Toi aussi, tu viens parler de moi. Si me dans Dotit Singh, Wishless Girl, Nyama Kole Woman, regarde, Nyamangolo Girl, tu viens parler à Lolo. Tu vas pas dans ta tête. Merde. Arrache-clou. Tu as vu, toi, tu es gagné, toi, tu as parlé comment? Eh bien, le riz arrache-clou, elle vient parler à Lolo. Tu es malade ou quoi? Partagez-moi le dire, nous sommes là encore. Lolo, la paix va aller prendre mon train. Merde. Non, mais ça m'énerve, Kinaki. Merde, tu n'as pas le problème avec les gens. Je n'ai pas le problème que je n'ai jamais insulté. Je n'ai jamais eu un problème avec elle. Jamais, jamais, jamais. Je la regarde, je ne gère pas. On me signale. Signaler. Il faut qu'on puisse en faire signaler. Ils ont dit qu'ils pouvaient, non? Oui, c'est quand je suis nerveuse. C'est quand je suis nerveuse. Vous avez dit que vous pouvez, non? On peut. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Si vous envoyez les cœurs, ils ne vont pas signaler. Envoyez juste les cœurs. Les dents poteau. Les dents poteau. Moi, je suis à Paris. Hein. Donnez-moi rendez-vous à Paris. Je serai à Paris. Normalement, je devais voyager aujourd'hui. Mais avec les obligations de Facebook. Alors, ceux qui nous suivent, n'oubliez pas. Maintenant, les ninjas sont là. Les ninjas sont réunis avec les TKC. Nous formons une famille. Nous formons une famille. Le combat continue. Nous allons continuer le combat. Et j'ai dit et j'ai redit. Si vous voyez où on met une de mes photos, où je suis sans Kalekoum, vous mettez pour eux. Vous mettez aussi leur part en bas. Ne signalez même pas. Vous mettez seulement en bas. Si on insulte ma mère, ou on insulte la mère de ma pépé, vous insultez. Moi-même, je vais insulter pour eux. Je ne vais pas vous envoyer. Je vais le faire personnellement. Je vais envoyer personne. Je vais le faire moi-même, en personne. J'insulte ta mère. Quand tu dis que yes, c'est comme ça. Vous insultez mon frère, j'insulte pour vous. C'est maintenant comme ça, là, un point dans pour dans. C'est comme ça. À la guerre comme la guerre. Oui, on va déterrer même les morts. Je suis prête jusqu'à demain. À la guerre comme voilà. À la guerre comme à la celui guerre, qui insulte ma mère, si vous insultez. Tu insultes mon enfant. Là, voici. Tu insultes, monte sa photo. Tu insultes Luis Gloria. J'insulte ta part. Tu insultes un de mes amis. J'insulte ton ami aussi le plus proche. C'est comme ça. On va aller. On n'a plus peur de vous. C'est fini. La peur, là, c'est terminé. C'était avant. Les gens avaient peur de vous avant. Aujourd'hui, les gens n'auront plus peur de vous. Parce que Tata Lolo est là. La chancelière est là. On va prendre leur défense. C'est comme ça. Nous sommes là pour ça. Et on va commencer à cœur ouvert la semaine prochaine. Notre émission recontinue. Ça va continuer. Tu vas beau mettre tout ce que tu vas mettre. D'autres profitent de mon émission. J'ai créé mon concept. Ça va continuer. Tous les dimanches, on va faire à cœur ouvert. Voilà. Les spotless. Les spotless ont on en a parlé avec les filles hier. Elles m'ont dit, Tata Lolo, il y a des trucs que tu fais qui ne sont pas bien. Tu ne respectes pas les heures. Tu n'es pas là quand il faut. Tu n'aimes pas abandonner l'émission. Alors que cette émission, les gens aiment bien ce que tu fais. Tu es propre. Tu sais ranger. Tu sais faire beaucoup de choses. Tu sais faire à manger. Alors continue. Apprends-nous ça. Apprends ça à tes jeunes sœurs. Même si nous ne serons pas nombreuses. Même si c'est 200 personnes, même si c'est 300 personnes. Tu te contentes de ça. Mais tu envoies ces messages-là. Tu apprends aux jeunes filles à nettoyer. Parce qu'il y a des filles qui ne savent pas. Comme toi, tu es sale. Tu ne sais pas nettoyer. C'est moi qui t'ai appelé à ranger maison. Toi, pour une ma ciseau lesbie là. C'est moi qui t'ai appelé à ranger maison. Tu, quand on voit ton intérieur, c'est mon intérieur. Tu as triché ma déco. Je suis fier de moi parce que tu as capté quelque chose de bien chez moi. Oui. Tu as triché ma déco, tout le monde le sait que tu as regardé la déco de ta maison. Tu as fait pareil. Et ça fait ma fierté. Alors laisse les autres personnes en profiter aussi. Il y a des filles qui veulent profiter de ça. Il y a des jeunes filles qui veulent aussi en profiter. Il y a la nouvelle génération, les enfants qui sont nés en France. Papa n'a pas le temps parce qu'ici, là, c'est boulot maison. La maman va au travail, elle est fatiguée, elle rentre le soir, elle a envie de se coucher, elle a envie de prendre un bain et manger, se coucher. Elle n'a pas le temps, elle n'a pas trop le temps pour ses enfants. Alors elles peuvent apprendre en passant par nous sur Facebook. Mais laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire. Colle-moi la paix. Arrête de raconter des histoires dormies debout sur moi. Avec toute ta racaille qui t'entoure là. Celle aussi ouvre sa bouche. Il y a des que j'ai vendu. C'est comme ça que vous commencez souvent. Hein. Vous venez souvent comme ça et vous guettez. Continue. Rêve. Le nom là c'était encore quoi là. Voilà. Laissez-nous faire.
Oui, c'est vrai, Gérardelle, les Spotless se sont fâchés de moi et m'ont dit, Tata Lolo, écoute. Mais les Spotless aussi, elles oublient que c'est les vacances, c'est l'été, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de me balader, j'ai envie de faire autre chose. Donc, elle me copie tout, et même les lunettes qu'elle a mis hier, là, c'est les lunettes, moi, facile, mes lunettes, là, elle a vu, elle est partie capter. Elle a, tout ce que j'ai mis, c'est mettre le chapeau, elle dit, demain, elle ira mettre le chapeau. Si elle met le rouge, elle va chercher la même couleur. Il suffit que je mets les boules, que c'est l'intérieur de Dieu. Poto, elle squatte chez lui, mais bien sûr, c'est pas de chez elle, elle squatte chez Dieu éternel. Dieu poto, comme tu dis. Donc voilà ça. Donc laisse-nous apprendre aux jeunes filles ce qu'on sait faire. Je suis pas là, j'ai pas fait des longues études. Mon français que je parle, c'est pas le français de quelqu'un qui est intellectuel, mais déjà je parle quand même, les gens, j'ai pas envoyé le message avec le français que je parle là, c'est déjà quand même pas mal. Donc laisse-moi apprendre aux jeunes filles à faire certaines choses. C'est que leurs mamans n'ont pas pu le faire. Moi, je peux le faire à la place parce que je suis leur grande sœur. Je suis aussi leur mère quelque part, pour certaines. Alors, on a commencé un concept. Tu as commencé à dénigrer le concept. Tu as allé prendre ma nudité. Tu as mis sur la toile. Et tu as continué à insulter les Camerounaises. Maintenant, je ne vais plus te laisser faire. C'est terminé. Va même à New York. Je m'en fous de tes vacances. Va même en Californie. Parce que quand tu vas en Californie, tu ne me blases pas. Moi, je pense, pour moi, je ne te vois pas comme une star. Parce qu'il n'y a rien que tu me. Moi, je peux te dire que Coco et Emilia me blasent. Parce que Coco Emilia, elle a lu des Beyoncé. Oui, Coco Emilia me blasse quand je la vois, je suis fier. Je suis fier de voir une jeune fille qui se bat dans la vie, qui est chic, qui est classe, qui est glamour. Oui, Coco Emilia. Il y a aussi la petite là, comment elle s'appelle là? J'ai peur des bons, bref, je m'arrête sur Coco Emilia. Voilà, je ne vais pas citer tout le monde. Donc, c'est des filles qui me blasent. Toi, tu peux me blaser, parce que quand tu vas en Californie, c'est comme si j'étais parti en Tchang. Ça ne donne pas envie, Comment tu n'as même pas envie de regarder parce qu'il n'y a rien de classe, il n'y a rien de glamour, il n'y a rien qui attire, il n'y a rien de tout ce que tu peux faire, tout ce que tu fais, ça ne me blase pas. En dehors de parler, d'écouter ce que tu dis, de raconter, on a dit, oui, peut-être ça. Mais en dehors de ça, quand tu vas me voir, tu es allé en Californie, moi j'ai pas vu le waouh. Mais quand Maïla Rose est allée, j'ai dit waouh parce que c'était classe, c'était avec son mari, c'était avec son mari, ses amis, c'était la bonne ambiance. Mais toi, tu es allé là-bas, tu n'as pas arrêté de dire on a dit. Mais quand est-ce que tu vas t'arrêter? Même quand tu es en vacances, tu ne continues à dire on a dit. Tu dis aux gens que je n'ai pas les kaolo. Mais comment tes gens la font pour partir? Ils sont pas français. Hein? Parce que ça, le Bozaïen n'est pas français. Il a un an de séjour. Il vient d'avoir, ça fait peut-être 3 ans là. Il a un an de séjour. Comment il fait pour aller là-bas? Il va avec les 1 an, non? Alors, j'ai bien envie de voir. Je vais aussi ajouter Nathalie quoi. Et c'est des petites filles qui sont chic, elles sont belles, elles sont classe. Quand elles vont quelque part, tu as envie d'aller là-bas. Tu as envie de découvrir à travers elles. Mais toi, à travers toi, j'ai pas envie de découvrir quelque chose. Parce que tu n'apportes rien. Il n'y a que la poisse, il n'y a que la merde qui tourne autour de toi. Tu vas même à New York, Los Angeles, où on voit le beau boulevard. Tu arrives là-bas, tu commences à crier comme une folle. Mais crie un peu, waouh! Un peu avec classe. Tu dis que Lolo est folle. Je ne suis pas folle. Il y a des moments qui vont être classe. Je suis classe. Hein. Là, je fais la folle souvent sur Facebook. Lolo, on dit qu'il y a un couple qui a volé une bouteille de champagne hier à la soirée. Mais c'est un voleur. Tu vois que ce qui a volé, volera. Et le vol, il est kleptomane. C'est dans le sang. Il est né avec ça. Est-ce que c'est qui ignore ça? Donc, tu ne m'attires pas. Voilà, quand tu dis que tu n'es pas le genre de tiens qui peut faire une partout, mais c'est pareil chez moi. Hein. Ah oui, même si je peux être attiré par une femme, je ne vais pas être attiré par une fille qui a une dos, qui a les fesses qu'elle porte sur le dos. Je ne vais pas être attiré par une femme qui a les seins artificiels. Qu'est-ce que je veux dire? Même quand tu vas aller téter ça, tu vas téter quoi? Les pompons là, c'est les blancs qui sont avec les filles comme toi. Les femmes qui sont artificielles là, c'est les femmes des soirées. Ce ne sont pas les femmes d'amour. Les femmes qui sont artificielles, quand tu vois les Russes là, les femmes qui sont avec les milliardaires là, ce ne sont pas les femmes qui font l'amour, hein. Parce que c'est des femmes qu'ils utilisent pour des soirées. C'est le tape à l'œil. C'est le tape à l'œil. Déjà pour amener quelque part, elle dit waouh, parce qu'elle a fait la silicone. Elle a les seins bien debout. Elle n'a pas de ventre. Elle a les fesses rebondies un peu comme ça. Elle est belle. Mais c'est rien que ça, le tape à l'œil. Juste pour ses affaires, il accompagne parce qu'il a besoin qu'elle attire le regard de ses partenaires. Ou peut-être dans une soirée à champagne comme ça. Mais quand il faut faire l'amour, il vient chercher les filles comme Tata Lolo. Hein, parce que les seins sont encore bien. Là, on peut téter ça. C'est bien. C'est le lait. Comme tu as dit que c'est le placali, parce que les Ivans adorent manger le placali. Le placali de ça. Oui. Il vient regarder les femmes qu'on a. Tu dis que je n'ai pas les fesses. Tu te trompes. J'ai les fesses. J'ai un peu quand même mes deux petites boules de couscous là qu'on tâte quand même. Voilà. Il y a quand même la chair sur ça. Ce n'est pas plat comme le plateau là d'abord. Donc arrête d'imiter mes mots. Hein. Quand moi, je viens avec mes mots, je dis en fait, cherche tes injures.
Je n'ai plus copié chez moi. Tu as compris, non? Donc, tu n'es pas... Tu n'as pas du style. Moi, je comprends que tu as connu la vie très tard. C'est ça qui est, c'est un handicap pour toi en ce moment. C'est un très grand handicap parce que j'ai envie, parfois j'ai envie de te comprendre, mais après, à la fin, tu me dégoûtes. Parfois, j'ai envie de me mettre à ta place. Je me dis, bon, voilà, je vais l'accorder cette chose-là. C'est quelqu'un qui n'a pas connu la vie. Peut-être elle a été maltraitée dans son enfance. Elle a connu une vie, une enfance très difficile. Peut-être elle a toujours admiré les filles au quartier. Peut-être elle habitait chez la tante. Je sais, j'ai eu ton A1, où tu faisais ton Wakalaba. Comment on appelle encore le coin là, Yaoundé, où elle faisait son Wakalaba. C'est une fille qui a passé son temps. Parce que je connais les femmes Tchangla qui font le Wakalaba Yaoundé à mini ferme. Elles partaient souvent prendre leurs cousines au pays, elles amenaient au village, elles amenaient pour aller travailler là-bas. Donc pendant que d'autres s'amusaient, tu t'es assise là, tu as cassé tes bambous là-bas à mini ferme. Donc il y a beaucoup de choses que tu n'as pas connues. Parfois j'ai envie de te donner ce bénéfice de doute là, j'ai envie de me mettre à ta place, j'ai envie d'avoir des remords pour toi. Je dis, mais oh là là. Oh là là, ça fait de la peine. Ouais, dis donc, je comprends pourquoi. Parfois, quand tu fais, moi, j'ai de la peine pour toi et je vois comment tu danses avec la force. Tu as envie de danser comme Tata Lolo, tu as envie de faire comme Tata Lolo, mais je sens que tout ça, c'est du copie. C'est de la copie. Donc, après, je dis, bon, voilà, peut-être c'est aujourd'hui qu'elle se réveille, elle a envie de vivre, elle a envie de s'épanouir. Voilà, mais après, tu m'énerves encore. Après, quand tu commences encore à insulter, les gars, bref, c'est une sorcière, bon, celle-là. Et tout, tu vois, c'est ça. Arrête d'insulter les gens. Arrête de détruire la vie des d'autres personnes. Si tu as passé une enfance, c'est difficile. Ce n'est pas la nôtre. Ce n'est pas notre problème. Va voir un médecin. Va voir un psychologue ou un psychiatre. Il va te soigner. Il va te dire pourquoi tu es comme ça. Et puis voilà, arrête d'en vouloir à tout le monde entier. Voilà, nous ne sommes pas la cause de tes malheurs. Nous ne sommes pas la cause de ton enfance difficile. Nous ne sommes pas la cause. Si tu n'as pas connu les balles au quartier. Parce que moi, j'ai connu les balles au quartier. Hein. Tu sais, c'est un peu dur quand tu n'as pas connu la vie et que tu commences à le faire tard. Tu deviens aigri, tu es aigri toi, c'est ça ton problème, tu es aigri, tu es jalouse et tu es dangereuse. Donc quand tu n'as pas connu la vie, arrêtez de m'envoyer des messages. Hein. Quand tu n'as pas connu les balles du quartier, parce qu'il y avait les petits balles au quartier là, quand tu n'as pas connu ça, le premier bal au quartier que moi je suis allé, c'était à Mokolo, à Kribi. Le jour où on avait pas le riz, on avait fait le riz cru, le riz non cuit. Donc c'est que les gars sont moqués de nous, que papa, nous sommes partis danser la maison, on a éteint la lumière. Il y a eu le délaissage. Maman, c'était grave, c'était à Mokolo. Et donc, moi, j'ai connu ça. Il y a ceux qui n'ont pas connu les matinées des jeunes. Moi, j'ai connu les matinées des jeunes à Village de la Paix à Kribi. Après, Kribi, je suis allé à la piscine à Douala. Tu n'as pas connu ça. Tu n'as pas connu les bars. J'ai connu les bars d'ancien au Noctambule. J'ai dansé au Noctambule à Douala. À Douala, les bars d'ancien. J'ai dansé dans les boîtes de nuit. J'ai dansé dans les soirées. Et même maintenant, je fais les soirées à Champagne. J'ai fait les soirées. Je vais parfois dans les boîtes. Allô? Et même maintenant, je fais. Allô? Oui, c'est Tata Lolo. Oui, c'est Tata Lolo, bonsoir. Je peux avoir Tata Lolo? Oui, c'est Tata Lolo qui est en ligne, là. Hé. Hey. Ma belle sœur. Oui. Tu sais qui t'appelle? Non, non. C'est Serge, l'oncle à Ivaël. Ah, mais tu es en ligne, on t'entend. Hein. C'est comment mon beau? Celle qui m'a servi le steak lui sur. Je suis arrivé chez elle. Merci beaucoup, tu n'as pas oublié. C'est comment, non? Je te suis en direct. Ah. On dit quoi, Serge? Ta belle sœur là. Oh. T'as oublié parce que tu as mon frère Bangoula en plus. C'est la famille, non? Vous allez me doter quand? Tu as le fils de Tata Mado. Oui, oui, je suis avec Stéphane. La spécialiste, sa maman était la spécialiste de BG à Douala. Ouais, c'est, je ne me fais pas mourir de rire. Voilà l'oncle d'Ivaël, c'est qui demande que le père d'Ivaël est où? C'est son oncle qui appelle là. Hein. Le père d'Ivaël, c'est un opérateur économique au Cameroun. Voilà. Comme vous aimez souvent entendre là. Le père du fils de Rêve Mbiaï. Le père de son enfant, opérateur économique au Cameroun. Quelqu'un qui a les immeubles à Douala. Ça là, son ami, qui a, son frère qui appelle. Quand tu bois, bonjour. Ah, Bouylena. Quand vous devez voir dans la feuille, que le père d'Ivaël est où? Ils ont signalé. Parle-toi, Serge. On envoie les cœurs. Envoie les cœurs. Ils ont signalé. Donc, Serge, tu es dans le Japon de Facebook, hein? Non, je suis en solo. Je ne suis pas moi dans le Japon.
Je suis en solo. Ils ont signé, ils veulent signer. Nous, on va couper le direct. Par exemple, le macabre, ils veulent que le direct s'y quitte. Tu es quand même la mère de notre fils. Ah, bien, c'est normal. Hein. Tu n'as pas appris qu'ils ont dit qu'ils vont me taper. Non, ils vont nous laisser où pour te taper. on est les costosaures. Il faut qu'ils passent pour te taper, il faut qu'ils passent par nous. Tu as vu les cœurs que je mets, non? Je vois. Donc, il faut qu'on nous laisse ça. Nous, on suit en douceur, dans la douceur. Ah oui. Ouais, c'est tout ce que j'avais à te dire. Merci beaucoup, mon beau. Je ne parle pas très longtemps. En tout cas, bon courage. À plus tard. Bye bye. Bye bye, mon beau. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc c'était mon beau-frère. Les gars, madame, j'étais en train de la vidéo de tout un minute de Cameroun. Et puis, c'est moi qui avais sorti ton journal. C'est l'oncle d'Ivaël, le fils de ma petite sœur Rêve Mbiaï. Même père, même mère. Même vente. Voilà, donc... Vis ta vie, hein. Je sais qu'après, tu vas faire un direct pour crier. Tu dis que Tata Lolo crie. Qui crie plus que toi? Tu es celle qui crie le plus dans Facebook. Bon, voilà. Tu sais qui crie. Depuis 4 ans, tu cries. On va couper le direct, là. Allô? Allô? Oui, bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Oui. Oui, est-ce que je peux parler à Tata Lolo? Oui, c'est Tata Lolo qui est en ligne, ma chérie. Ah, je suis en ligne avec elle. Oui. Ok. Je voudrais intervenir par rapport à ce qui se passe sur la toile. Oui, oh, je t'écoute, ma chérie. Oui. Bon. Moi, par exemple, au début, quand celle qu'on appelle désormais Ma Balok, ou c'est Ma Malchan. Mm-hmm. Oui, au début, ça nous faisait rire sur mm-hmm. la toile. Mm-hmm. Oui, bon, ça nous faisait chasser le stress d'ici. Et après, c'est devenu autre chose. C'est devenu autre chose au point où ça devient vraiment... Je sais pas comment je peux prononcer ça. Les gens se ridiculisent. Je vais commencer par ma sœur Betty Doudou Ngamba avec sa grosse bouche. On dirait le pénis du plantain, le bangala du plantain. Ma, tu peux baisser un peu le volume sur l'autre pouce secteur là. Oui, bon, je dis. Allô? Oui, allô. Bon, je voulais donc dire, celle de Doudou Ngamba, je ne sais pas d'où elle sort. Au début, quand ça avait commencé, tout le monde a vu comment ça se passait. Elle prenait sa page, elle donnait à Mama Chante Mambouripo pour vous lyncher sur la toile avec, je redis encore, sa grosse bouche. Je ne sais pas si tu as remarqué le bangala du plantain qui est accroché en bas du plantain, là, je vois un peu le truc qui reste souvent accroché sur le plantain là, quand le plantain a donné le bangala qui reste, qui est souvent où c'est violet ou c'est rouge là, c'est comme ça que sa grosse bouche est. Oui. Ouais, maman les camés. Je ne sais pas. Parce que je ne sais d'où elle vient, d'où elle sort. Maintenant, quand il s'agit d'elle, quand on parle de sa mère, elle promet de faire je ne sais quoi. Maman. Donc, les autres sont en fer. Les mamans des autres elles étaient faites en bois. C'est ta mère qui est en diamant. Ah, ça, maman, tu as très bien dit. Ma chérie, si tu peux couper le dépôt sur le secteur là, ça fait qu'on t'entend pas. Hein. Doudou Ngamba,
Mi souli là, tu as compris, hein? Mi soul. Mais vraiment zout, ouais. Celui d'Amour, avec ses pieds, on dirait les ciseaux. Moi, je veux parler là maintenant au nom de Bokassa. Tu es allé t'asseoir, tu as porté tes couilles avec ta femme, tu es allé t'asseoir à Yaoundé chez Nathalie. Quand tu mangeais là-bas chez elle, tu partais lécher les plats. Mais tu n'as pas hésité à encourager qu'on la lynche sur la toile. Hein? Allô? Oui, ma chérie, là on t'entend très bien maintenant. Oui, j'étais donc en train de dire, celui de Hamout, je ne sais pas pour qui il se prend pour le nombril du pape, mais ah. Mon frère, hein? Tu te crois où? On est ici, on travaille pour les assistés de la sécurité sociale comme vous. On est là, on souffle pour vous là. Tu viens, tu t'assois sur la toile pour empester l'air aux gens, pour polluer l'air aux gens. Les nobles Camerounais se lèvent le matin pour aller travailler, gagner dignement leur vie, on paye les impôts en Europe pour les couillons comme toi. Hein? Je te demande, hein, moi je vais parler là maintenant au nom de Bokassa. Parce que je suis sa sœur. Tu es allé quand tu partais manger à Yaoundé chez Bokassa. Mais tu as accepté, tu as vu ce qu'elle a fait, tu as accepté qu'on vienne la lyncher sur la toile. Est-ce que tu l'as défendu? Tu portais tes noyaux et tes couilles. Ta femme et toi, vous partiez manger chez elle. Elle vous recevait, mais ça ne t'a pas empêché d'envoyer les gens l'insulter, la lyncher. Toi, Amout, un profiteur comme toi, hein? Je suis contente de ce qui vous est arrivé. Et d'ailleurs, je viens même d'apprendre que tu as volé une bouteille de champagne hier dans la nuit. Tu as mis dans la grosse robe de ta femme. ça ne me surprend pas. Dieu, oui. Hey, maman, pardon, ça ne me surprend pas. Franchement, collez-nous la paix sur Facebook. Vous n'êtes rien. Vous ne représentez rien au Cameroun. Vous n'êtes rien. Je ne sais pas ce qui vous trompe. Président Bibabimou, hein, président des morceaux de manioc, comme on dit en Eton, Bibabimou. Hein? Président Bibabimou, ou ne? Mon Dieu, le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Oh, de Kamlaï, ma fille, écoute, c'est pas les injures. Ma lasma qui était là. Hein? Le monde à l'envers. Ouais, que. Hein? Le monde à l'envers, mon Dieu. Facebook vous donne les ailes. Hey. Facebook vous donne les ailes. Ici, d'ailleurs, un assisté de la sécurité sociale. Amour. Hein? Les nobles Camerounais se lèvent, ils payent les impôts en euros pour te nourrir. Hein? Au lieu de rester tranquille, tu emballes tes couilles, tu t'assois tranquillement, tu profites de ces aides-là, tu viens nous empester la toile avec ça. Président de mes noyaux, et l'autre grosse baleine là, maman, yosh, la malchance vraiment. Hey. Comme on dit, ma malchance. Ma malchance alors. Papa là, yosh. On doit seulement commencer à faire la neuvaine à Sainte Rita pour se délivrer. Ma sister, le coste de ça. Passe. Oui. Il faut faire la neuvaine pour toi là, Sainte Rita. Je t'assure, tu as une cause difficile. Hey. Yosh. Ma bangala. Ish. Papa là. L'injure de ça. Non. Trop, c'est trop. Ce n'est pas parce qu'on laisse, on ne dit rien, on ne réagit pas. Les gens croient qu'on les encourage. On ne les encourage pas. Oui. Quand c'est trop, quand ça devient laid, ça devient moche. Tous les dimanches, tous les samedis, on va faire ça maintenant. Tous les samedis, on met le téléphone en ligne. Saga, saga. Yeah. C'est une petite poignée de personnes qui veut monopoliser les gens. Mais vous croyez où? Le Cameroun nous appartient. Vous n'êtes rien là. Vous n'êtes rien. Il y a des gens qui ont investi au pays, qui sont couchés tranquillement, calmement, qui vivent en Europe, qui ont c'est parce que ce que vous avez là, je ne sais même pas comment je peux appeler ça, comme j'entends souvent Shintor dire sur sa page les abribus. Oui, ce que vous dites que vous avez construit quoi?
Moi, j'ai cru entendre que celui d'Amout, c'est quelqu'un qui s'est fait passer, qui a mis son nom devant pour toi. Hein? Tu te lèves, tu insultes le monsieur de Truy avec sa femme matin, midi, soir. Tu l'insultes. Ça veut dire que même les diffonceurs que vous partez souvent applaudir dans vos trucs de concert là-bas, vous ne la respectez pas. Puisque vous êtes là, vous savez tous, vous êtes conscients que Lady Ponce était avec lui, mais ça ne vous empêche pas de le lyncher. Hein? Vous ne la respectez pas. En tout cas, Tata Lolo, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Honnêtement, on en a marre. Merci. On en a marre là. On en a marre. Oui. Et je suis très contente pour ce qui s'est passé hier. Bravo à vous là-bas à Paris. Merci. Je vous dis chapeau. Oui. Chapeau. Oui, merci. Au revoir. Au revoir, ma chérie. Merci aux Parisiens. Voilà. On va arrêter le direct hein, parce que sinon je vais encore dormir à Reims aujourd'hui. D'accord, ouais, ouais, madame, merci pour le conseil. Voilà la neuvaine de Ritzita. Quand on a planté la paix pendant mon direct. Merci. Edith Ngonou, merci pour le rire. Donc, ce que je disais que, vous voyez, tout le monde, les gens ont intervenu, hein, beaucoup de gens ont parlé. Donc, Dieu éternel, je suis désolé pour toi. Voilà, donc, je suis désolé pour toi parce que ton père, c'est quelqu'un que je connais son truc à Idea. Tu es en train de salir l'image de ton papa dans tout le monde entier. Comme tu dis que ton père a les relations, il est l'oncle de Popol, d'après Teddy, je trouve que c'est pas joli. C'est pas, tu es en train de salir la renommée de ton papa. Allô? 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 Oui, bon, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est le direct de Lolo. Oui, c'est le direct de Tata Lolo. Ah, tiens, ma fille, tu sais depuis combien de temps j'attends aujourd'hui. Mais enfin, tu es là, alors. Il faut souvent, quand tu vois quelqu'un insister, tu essayes de rappeler pardon. D'accord. Moi, j'insiste là parce que apparemment j'aurais entendu que Mensunganya me sera dit qu'elle va te taper. Oui, oui, oui. Hier, c'est à quelle occasion, s'il vous plaît? Parce que j'ai parlé mal à sa maman. Parce que tu as parlé mal à sa maman. Mm-hmm. Et c'est le diamant qui est tombé du ciel. Je sais pas. La part de maman qu'on a allé déterrer là-bas où elle était, machin, la femme qui ne. Ta part de maman était quoi? Je sais pas. Ce message, si c'est pour toi, envoie l'invitation quand tu vas taper Lolo. Tu bipes toute la toile. Tu mets sur ton mur le jour où tu vas la taper. Elle t'a dit le jour où elle te tape. Elle m'a pas dit. Elle a programmé avec Nivakin. Donc, ils ont programmé. C'est qui l'autre là qui s'y chie partout là? Mm-hmm. Le moustique là. Mm, 44 grammes. Lolo, franchement, il faut souvent arrêter vous-même les bêtises. Hein. L'autre là, je ne veux même pas parler de lui. Je m'adresse à celle de Mensunga là. Quand elle parle, la salive reste sur la bouche d'elle. Elle crache sur les gens en parlant là. Le jour où elle va vouloir te taper, qu'elle affiche sur sa page, qu'elle affiche seulement que je te tape à telle heure. Elle donne rendez-vous le jour où elle va te taper. Elle l'amène au zout. Ça, une grenouille comme ça, crapaud. Tu vas taper parce qu'on a insulté ta maman. Et le jour où toi, tu as insulté la mère de vous avez insulté la maman de l'autre là, de confesseur. Ce n'est pas une maman. Vous avez insulté la maman de Lolo. Ce n'est pas une maman. Ah, ça. Vous avez pris les fesses de Lolo, mettre partout. Toi, la maison gagne à Mensoul. Tu commentais partout. Tu sautes partout comme la grenouille, partout, dans tous les Facebook des gens, dans tous les directs, tu sautes comme la grenouille. Il l'emmène au zout. Et
Et l'autre, là, le Mabonga, monsieur Mabonga Nyame, soulevé aussi avec sa femme qui a l'entrejambe ouverte, c'est-à-dire un pied est au nord, un pied est au sud. Celle-là qui bosse, c'est-à-dire, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est-à-dire que le Seigneur ferme un peu ma bouche parce que ce que je vais vous faire. Voilà, Lolo touché. Donner rendez-vous, vous tapez, c'est l'enfant de personne. Moi, je vais acheter le problème. Là, donner rendez-vous seulement le jour où vous allez taper, tu es trop forte. Vous allez voir le grumier passer sur vous. Merci beaucoup, ma soeur. Celui-là, il fait ses pieds, c'est l'autre pied, je ne sais même pas. Il s'assoit, il a insulté le gars Bassal, on l'appelle comment? Celui qui a. Comment on appelle le monsieur là, sa femme a accouché les jumeaux là. Monsieur Messin. Messin. Anti. Facebook. Si on ferme. Envoie les cœurs, les cœurs, les cœurs. Si on ferme Facebook, l'autre président de mon bon Kwame Nkrumah, si on ferme Facebook, qui te connaît? Monsieur Arrache Rache, voleur. Les gens travaillent, tu manges. Avec ton petit asticot que tu as entre les jambes là, si ça commence déjà à te démanger, tu donnes à ta pourriture que tu as à côté de toi là. Elle mange, tu nous colles la paix. Tu nous colles vraiment la paix. C'est-à-dire que tu nous colles une paix royale. Vraiment une paix royale. Si ce n'est pas Facebook qui te connaît, qui te connaît? Mais sans, on le connaît, c'est tout le monde qui est venu en Europe, qui, même au Cameroun, on connaît mes sangs. Raymond Tchengang, alors, c'est votre papier hygiénique. Va sauver ta maman de la pauvreté, la veille veut mourir. Tous les matins du quartier, la chèvre partout. Idiot de ton état. Idiot. Idiot. Eh, hey, les Camerounais ont la bouche. Pardon, qu'elle mette rendez-vous, l'autre, M. Ngagnamé, qu'elle mette rendez-vous quand elle va te taper. Que les Maguida font comment, ma soeur? Elle met rendez-vous. Quand elle va mettre rendez-vous, qu'elle mette un peu avant comme ça, et là où on fait aussi les ménages, là, on va prendre les congés, on vient voir comment elle va se taper. Et sur le menu, lance, boile, zoom. Hey, Seigneur, mon Dieu. Hey, Seigneur, que les Maguides ont fui. Bon, on va se quitter. J'espère que le message est passé. Donc, on a bien fait la fête du poteau. Et voilà, ils sont en train de signaler. On a peur, ils peuvent couper le direct là. Merci Lumi. Eh, merci ma camarade de classe. Voilà ma camarade qui est là. Envoie les cœurs pour ma camarade. Elle connaît mon âge. Donc, c'est ma camarade, je suis allée à l'école avec elle. C'est elle qui m'envoie les cœurs là. Voilà. Martine, toi, ne me tuez pas, ne rigez à Tori. Donc, on a bien fait la fête de taper poteau. Ici, je vais remercier les Spotless, les Lolomania. Bon, n'oubliez pas aussi que la chancelière est au Cameroun. Elle aura toujours besoin de vos dons, étant là-bas. Il y a Orange Money pour ceux qui sont au Cameroun. Il y a Orange Money. Ceux qui sont à l'extérieur, hors du Cameroun, il y a West Union, il y a MoneyGram. Et il y a Ria aussi. Donc, continuez à envoyer... votre participation pour les orphelins. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Tata Lolo. Oui, c'est Tata Lolo, madame. Oui, j'ai envie d'intervenir quelque chose. Je vais laisser le message à Doudou Ngamba. Oui, on vous écoute, madame. à Doudou Ngamba. Doudou Ngamba, autour de mon cours, elle est bon. Oui, je vous écoute, madame, je vous écoute. Ok, parce qu'ils sont en train de signaler là. Ils sont en train de signaler. On va devoir couper le direct là. Voilà. Doudou est en bas.
Oui, madame. Ok, madame, on va couper. Ils veulent couper le direct là. Je veux que ça reste. Sinon, on continue. Ils vont couper ça. Allô? 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 Oui, on va couper. Allô? Oui, maman. Mais tu ne comprends pas. Mais tu ne comprends pas. T'as dit, non? Je comprends tout ce que tu dis. J'entends très bien. Ils vont couper le direct là. Ils vont couper ça. Madame. La madame est fâchée. Hein? La madame est très fâchée. Milanus. Bon. On a bien fait la fête du poteau. Ici, je vais remercier les Spotless. Je vais remercier les Lolomania. Je vais remercier les TKC. Je vais remercier tous ces Camerounais, toutes ces femmes africaines que nous suivons dans ce combat. Il y a des Ivoiriennes, il y a des Maliennes, il y a des Sénégalaises, il y a des Guinéennes, il y a des Européennes aussi. Donc, vous voyez, nous, on en a marre. On en a marre. Nous sommes fatigués. On veut passer à autre chose. Mais comme la bêtise insiste, nous allons continuer le combat. Et puis voilà, nous allons continuer le combat. On ne va pas se laisser faire. Nous n'avons plus peur de vous. Vous avez enlevé la peur. La peur qu'on avait avant, cette peur-là est partie. Et beaucoup de personnes nous suivent dans ça. Parce que grâce à nous, la petite radia Mélanine... J'ai peur qu'on me tire là. Allô? Allô, c'est ça, Lolo? Oui, bonsoir, ma chérie. Oui, oh, bonsoir. Oui. Je dis, oui. Laisse-nous un peu d'abord nous défouler, maintenant. Il y a même quoi? Quand une femme bêtise se lève comme ça là pour venir manquer le respect aux gens, il faut un peu qu'on lui mette à sa place. Chez les bêtises se respectent. Celle avec son gros cul là, on dirait le sac de Macabo. Il faut qu'elle nous laisse tranquille. Il faut pas qu'elle vienne. Viens gâter la réputation des petits avec des fesses qui de Sungala, de Doué Ngamba. Et voilà, il y a une oiseau. Oh non. Ah oui. Il faut me dire une oiseau. Il y a une oiseau. Va devant. Va pas toucher le dos. On va te pêcher les grosses fesses là. Et mon petit monou a sauté dans le cul. Tiens, je te dis non. Bah, ta polo. Avec ta bouche, on dirait 10 kilos de viande. Maman, il faut pas qu'on coupe le direct. Je vais rapprocher parce qu'il signale déjà ça beaucoup. Ouais, Lolo. Hein? Pense-toi. Et puis reste là, on va voir celui de Nibakine avec ses pieds. On dirait les cheveux des Nguengueroux. Pardon. Ça prend soin de toi. Merci beaucoup, ma chérie. Bon, t'es toujours belle, il n'y a rien à dire. On s'en fout de cela. Qu'elle vienne te toucher. Ok. Mm-hmm. Bisous, ma chérie. Je vais couper, je vais relancer. Bisous.
Bon, on va se dire merci à tout le monde. Hein. Merci à tout le monde qui nous suit. À tous ceux qui nous suivent. Ok, je vais couper et puis je vais relancer pour dire au revoir. Voilà. Ce sont les bêtises qui sont fâchées parce que les bêtises, c'est des gens qui sont fiers. C'est des gens fiers. C'est des gens qui se respectent. C'est des gens qui n'aiment pas se mélanger avec la saleté. Moi, je connais bien les bêtises parce que je comprends bêtises. Donc, les Camerounais en ont marre. Les Camerounais sont fatigués. Les Camerounais sont fatigués de tout ce qu'on vit là. Même les Africains nous accompagnent dans cette guerre, dans cette bataille-là. En tout cas, je remercie tout le monde. Oh non, je peux pas. Je peux pas, ma chérie. Non, je peux pas. Donc, ici, je remercie. Je vais relancer le direct, voilà. En tout cas, merci à tous les Sportless. Je vais citer quelques-unes. À Marie-Louise Mbaga, le général Marie-Louise Mbaga. Je vais remercier Wakatologue, la présidente des Faux Profils. Je vais remercier la vice-présidente des Faux Profils, Flor Numba. Je vais remercier mon last market, mon bébé à moi, mon étoile, mon bébé chéri, Aude Kamline. Je vais remercier ma fille Samson Shoga, celle qui m'accompagne depuis très longtemps. Et je vais remercier ma fille Blanche Laure. Je vais remercier Goldol, ma spotless anglaise. Je vais remercier ma maman de la Suisse. Je vais remercier Sandrine, ma fille, que j'aime beaucoup. Je vais remercier aussi... En tout cas, je remercie, vous êtes tellement nombreuses, Tassouba, Gauthier, en tout cas, je vous remercie tout le monde. Non, je peux pas, ma chérie. Mais ça, c'est l'appel quand même de moi, sur ça. Allô? Allô? Je vais relancer alors, parce que j'en veux l'appeler. Allô? 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 Je vais relancer le direct là, parce qu'après, on va nous couper. Donc... Je remercie tout le monde. N'oubliez pas les orphelins de la chancelière. Elle a mis son contact du Cameroun sur sa page Facebook et elle la compresseur. Et je remercie aussi, bref, tous ceux qui me suivent. Je remercie mon chéri, Papa Fodia, qui est en vacances avec Luis Gloria. Passez de très belles vacances. Je remercie mon frère Cameroun la Panthère. Voilà. Je remercie beaucoup de personnes, en tout cas tout le monde, hein, tout le monde. Merci d'être resté aussi nombreux, c'est très gentil votre part. Et puis on te soutient jusqu'à la gare. Merci Valérie, merci Océane, merci à Marie Larose aussi. Merci à tout le monde, merci. Et désolé pour toi Dieu éternel, hein. Voilà, désolé pour toi et puis voilà. Tant pis. Voilà, tant pis. Merci à Lolo Lapé, notre chevalier qui a besoin de vous, hein. N'oubliez pas, Tata Lolo va mettre un compte Litchi. Quand je finis les directs comme ça, j'irai mettre un compte Litchi pour mes pouvoirs. Pouvoir. Monsieur. Donc, un compte Litchi en ligne. Que celui qui est content de Tata Lolo, celui qui va encourager Tata Lolo de temps en temps pour aller me mettre quelque chose là-bas. Voilà, pour que je m'entretienne aussi. Parce que pour être belle, il faut s'entretenir. Hein, il faut acheter tout. Le mec comme là, ça coûte cher. Hein. Hein, pour entretenir les dents comme ça, là, il faut aussi avoir de la pâte. Il faut aussi beaucoup de choses. Donc, je remercie tout le monde. Je remercie Ref Mbiaye ou non. Oh. Voilà. Je peux pas, maman. Je peux pas. Le pouvoir. Voilà, merci. Minanis Bunomère. Merci. Les TKC. Merci. Véronique. Merci. Merci, Mébi Potopoto. Merci. Patricia. Ma Patricia de Nice. Merci, Géradelle. On va te faire plaisir. N'oubliez pas le compte Litchi de Tata Lolo pour mes pouvoirs. Donc, j'avais dit que quand je recommence à cœur ouvert là, j'aurais besoin de vos pouvoirs parce que à cœur ouvert, il faut entretenir la page. Il faut... Allô? Bon pouvoir. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Litchi. Bonsoir. Oui, ma chérie. Oui, c'est Tata Lolo? C'est Tata Lolo, bon. Mmh. Tata Lolo, on vous aime, hein? Merci. Ne regardez pas ce qui se passe sur la toile là, Tata Lolo. Hein. Mm-hmm. Je voulais vous dire que vous êtes une vraie fille. Vous avez beaucoup de femmes ici, hein, là où nous sommes là à La Rochelle. Hein. Vous avez beaucoup de femmes. Hein. Ne regardez pas tout ce qui se passe à la toile. Je ne regarde pas. Vous avez beaucoup de femmes ici. Merci même beaucoup. Même dans mon restaurant où je suis, là, j'ai vos femmes ici. Oh,
malgré tout ce qui se passe, maman. Tata Lolo, on vous aime. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. On voulait vous dire, je ne donne pas mon identité, sinon vous allez me raconter. Au revoir. Donc, merci à tout le monde et puis passez une bonne soirée. Bon, on se dit plein de cœur et merci aux Parisiens. Et à toi, Dieu éternel, fais attention à toi. Voilà, c'est tout ce que je peux te donner. Et on va finir avec l'autre morceau. Bon, non, je vais couper. Bisous, bonne soirée, bon week-end et puis voilà, à demain.